Bonsoir, Marcel Barek, bonsoir. Comment vous allez, mon chéri? Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Je m'en ai dit comme ça. Merci à ma Makuta, Flo Chupinette. Flo Chupinette, tu es valeureuse. Je vais un peu couper. Flo Chupinette, je vais un peu jeter un peu ta vidéo. Je vais mettre sur ma page que j'ai moi-même j'ai pris. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le direct. Bipez tout le monde. Bipez les voisins. On va savoir ce que Pipi a fait avec Macha. On ne laisse pas. Les ténébreux veulent nous embrouiller avec leurs choses bracata. On veut savoir ce qui s'est passé. On doit sensibiliser sur ça. Comment Pipi peut faire taper d'eau et pas coucher avec toutes les relations de Macha? S'il y a le temps, les femmes vont appeler pour dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Laissons les choses que les gens sont en train de raconter là. Partagez le direct. C'est ici là qu'il y a le vrai Soko et nulle part ailleurs. On ne fait pas le Soko du quartier. Nous ne faisons pas le Soko du quartier. Quand tu es une jeune blogueuse, tu dois connaître ta place. Tu dois connaître à demander pardon, à reconnaître ton tort. Je vous ai toujours dit ici là que ma Pépé et ma Fo, que j'irai toujours merci à ces deux mamans-là. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné un nom. Donner un nom, ce n'est pas qu'ils vont obliger les followers à venir partager mes directs ou bien à venir me regarder. Non, c'est mes performances. C'est moi-même qui dois faire mes efforts parce qu'ils m'ont déjà poussé. Ils ont déjà fait leur part. C'est moi-même qui dois faire ma part. Mais si toi, tu es incapable de le faire, tu vas t'en prendre à qui? Mais à personne. On entre dans le vif du sujet. Il y a les fous aussi qui font les directs. On ne partage même pas. On ne like pas. Les gens ne sont pas obligés de partager. Je prends l'exemple de Flore Choupinette. Flore Choupinette qui doit tirer le chapeau, que celui fiché, elle a un don. Elle connaît le blogging, même dans le noir. Quand Flore Choupinette fait ses directs, elle est dans les 400, 300, 500. Ah, parce que tu es dans la lutte, que tu mets le visage à visage découvert, que tu es captivant. Non. Tu peux être à visage découvert, tu n'es pas captivante. Mais Flo Chupinet qui est dans le noir, elle parvient à faire son contenu. Il y a même des fois que ma Fo n'entre même pas dans ses directs. Mais elle fait ses contenus. Quand parfois il y a les directs qu'on ne connaît pas, Flo Chupinet, elle coupe. Et là maintenant, la partie que Flo Chupinet a coupée là, moi je n'ai pas ça. Mais je vais aller prendre, je vais faire écouter. Et tout à l'heure, les gens vont écouter, on va décrypter le direct. Arrêtez vos choses que vous m'appelez. Tu vas quitter une team parce qu'on ne partage pas. Aie d'abord les contenus. Sois humble. Apprenez à demander pardon. On ne connaît pas tous les jours. Et ne soyez pas pressé dans la vie. Donc ici, chez nous, c'est le vrai Japa. Ne regardez pas ce que les gens disent. On est ici, on est sur pipi. Ils veulent nous embrouiller. Ils veulent nous embrouiller. Nous, on reste que sur pipi. Wow. Ça ne choque pas. On va demander aux Camerounais, on va poser la question que comment Pipi a pu détruire notre star qui est Macha. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas allé dans la chambre de quelqu'un. Comme tu dis, Audrey Carrel, l'humilité précède la gloire. Il faut savoir s'humilier. J'étais ici. Moi et ma pépé supportait la maman de Aïcha Kamouas. Je suis venue, j'ai fait le direct. Ma pépé, j'ai causé avec ma pépé là en journée, on a parlé. Mais elle a dit que ma fille, je viens te parler sur Facebook. Si j'étais hautaine, je suis entrée dans le direct de maman pépé. J'ai dit que ma mère, tu es ma maman. On n'est pas grand devant sa mère. Je vous ai toujours dit que quand j'étais encore au Cameroun, ma feu grand-mère, qu'elle voyait mes amis venir. C'est alors, c'est le moment là qu'elle me demande d'aller puiser l'eau. Flore Choupinette, ma côté, c'est comment? Je vais voler ta vidéo.
Tu sais que Franck Chupinette, la partie là que tu as pris là, non, je n'ai pas ça. Ils vont voler ta vidéo, Marco. Ne t'inquiète. Et t'es dit, donc Franck Chupinette, elle va mettre ça, les clients vont écouter. Donc, ils vont voler ta vidéo là-bas. Donc, ne te fâche pas, Marco. Je n'ai pas pris la partie là. Tu vois, non? Donc, c'est ça que je suis en train de dire que. Elle t'a bloqué. Parce que tu as dit la vérité. Maman, on calcule de ce qu'elle a dit. Elle a été échangée. On va rester que c'est ça. Je vais d'abord mettre dans que la partie que tu as pris là, non, moi je n'ai pas la partie là. Et tu n'as pas l'air trop bon jusqu'à. On va mettre ça. On va rester sur pipi. On n'est pas sur le yard de Makata, comme je vous dis là. C'est ça, avant que les gens n'arrivent, je veux pas que les gens disent, on dit que Nicolas dit que quoi. Il dit que c'est quand je suis en train de parler, que c'est quand mes amis viennent à la maison que ma soeur grand-mère m'envoie d'aller puiser l'eau. Je mettais l'eau sur ma tête. Donc, c'est une façon de dire que arrêtez de dire que tu vas quitter quelque part pour venir quelque part. Voilà Flo Chupinet qui est dans le noir, mais fait son blogging. Hein. Si Flo Chupinet sortait dans le noir, c'est que peut-être moi, il ne voit pas le carreau de Flo Chupinet. D'un moment donné, arrêtez de dire que oh, qu'on ne partage pas les dirigeants, on ne partage pas. Parfois, je fais même si on ne partage pas mes lives. Mais je suis toujours là. Mais il faut avoir un bon contenu. Donc, ce que je tenais à dire, et l'unité précède de la gloire. Combien de fois ma foma a taquiné sur Facebook? J'ai fait qui? Je ne suis pas sorti. Dans la vérité, sachez-vous, sachez être humble. Humiliez-vous. On n'est pas pressé dans la vie. Dans la vie, on ne serait pas pressé. Même dans 10 ans, ma faux qui mange, ma faux, on a attaqué ma faux aussi. C'est la leur, c'est que ma faux mangeait. Qu'elle mange sa gloire depuis 8 ans. Sa gloire, c'est ça qu'elle a en train de manger maintenant. Si ma faux était pressée, vous croyez qu'elle devait être où elle est aujourd'hui? Arrêtez. Donc, c'est pour vous dire que maman, ce qu'ils sont en train de faire, on n'est que sur pipi. Partagez le direct, mes chers frères. On va écouter d'abord. On va décrypter. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre star? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre star? Pourquoi Pipi a fait ça à notre star? Est-ce que c'est normal que quand tu présentes, quand une personne a des problèmes, tu lui présentes tes relations, elle n'est pas couchée avec toutes les relations? C'est normal ça? Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Et ils sont en train de nous embrouiller. Il y a une affaire sur... Marchand est fâché. Depuis que Marchand est passé chez Pipi, son étoile ne brille plus. Son étoile ne brille plus. Vous croyez que quoi? Maman, on partage le direct. On partage. Parce que quand on va commencer à mettre le direct de Valérie Amougou, les gens m'ont dit que oui, Nico, tu as dit que quoi? On partage le direct. Partageons le live. Mais bon, mais partage. Merde. Pipi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, machin. Tu ne peux pas faire ça, machin. Hein? Mais de ce quoi? Hey. Jusqu'à aller dormir avec le colonel. Même sans frein, il ne t'a pas donné. Même Kobo, il ne t'a pas donné. Après, tu as venu que tu es belle. Franchement, tu es la honte de la toile. Je vais me dire que on va rester que sur toi. On n'est pas là pour dire que wow, wow, wow. On n'est que sur toi. Balata. Balata. Je suis que sur toi. Je m'en fous des candidats. On va dire qu'on n'a pas de blogging. Il n'y a pas de problème. Même la même chose qu'elle est venue. Elle est venue avec le nom de Mafo. Elle est venue avec le nom de Mafo sur Facebook. Donc, c'est ça. Cette négère-là. Regardez-la ici. Voici le jour que... elle est venue, je suis sûr, le jour que, le premier jour que Marchand est atterri chez cette femme. Depuis ce jour-là, Marchand, sa carrière est finie. Sa carrière est finie. C'est un patate qui a fait venir chanter ici à sa télé. Regarde comment elle fait. Pourquoi vous pleurez? Nous, on va vous inviter à pleurer. Voilà, Marchand. On peut le dire normal. Elle a utilisé Marchand. Avec, non, elle a utilisé Marchand. Non, gars, laisse comme ça. Non. C'est un direct normal, mais ne complique pas. Non, mais je pose. Laisse ça comme ça. Là. Parce qu'on est dans l'ambiance, on va occuper tout le monde. C'est bien. Mais,
Oui, oui, elle va se compliquer. Laissez-moi la star. Non, elle va faire un petit mot après. Elle va faire un petit mot après. Je vais faire un petit direct. Le direct est reporté. Parce que nous avons compris que vous avez peur. Une conne de la musique camerounaise. Elle veut vous raconter son parcours parce que les gens parlent d'elle. Ils ne la connaissent pas. C'était l'occasion ou jamais d'écouter les anciennes. C'est quand l'expérience, c'est quand tu vécu dans ce monde artistique. Mais vous n'avez pas fait. Vous êtes tellement aigri. J'ai tellement le mal à vous, vous allez tout faire pour que cette tirée n'ait pas lieu. Mais la prochaine fois, on va vous surprendre. La star va aller s'échanger parce qu'elle aussi, ici aujourd'hui, pour un grand jour, le jour où Tata Louis est né, c'était le 10-10. Ma star est là. Oui, vous m'avez jeté, ma fille, et c'est ma mère. Oui, et c'est la marraine de la cœur ouvert. Voilà. C'est qui est sûr, c'est ça. Et il y avait les stars. C'est ça que je voulais vous dire que. Quand Marche est passé, c'était la marine d'accueil ouvert. Maintenant, Marche n'est plus la marine d'accueil ouvert. La marine d'accueil ouvert, c'est une dame qui venait en Angleterre. La Koudjé. Celle avec qui Pipi fait l'amour sur WhatsApp. La femme qui a envoyé 5000 euros. Vous voyez comment cette femme est hypocrite. C'est ça que je voulais vous rappeler, qu'elle a enlevé le nom de Marche. Ce n'est plus la marine d'accueil ouvert. C'est la dame qui est en Angleterre. Bon, maintenant, on commence. On va d'abord faire l'entrée. Après, on va mettre le plat pour Flo Chupinette. Parce que pour Flo Chupinette, elle, quand même, c'est qu'elle a parlé. Elle a pris cheval et à mon côté, c'était très pertinent. On va d'abord prendre la partie que moi-même j'ai pris. Après, pour Flo Chupinette, on va mettre ça en dernier. Parce que c'est que la femme, la fille a pris. C'est costaud. On va d'abord écouter d'abord ceci. Maman, il y a des gens sur terre qui n'ont même plus honte. Il y a des gens sur cette terre, ils n'ont même plus honte. Moi, honnêtement, j'ai souvent honte. Sur certaines choses. Moi, j'ai souvent honte sur certaines choses. C'est pour cela parfois, quand il y a une situation, je préfère souvent me taire. De peur que j'ajoute encore la honte sur moi. Oui. Je préfère souvent me taire de peur que j'ajoute encore la honte sur moi. Quand je pense que il y a des personnes qui se plient en quatre parce qu'ils veulent être en contact avec certaines personnes. Et lorsqu'ils sont en contact avec ces personnes, après ils viennent vraiment montrer. Leur mauvaise éducation, leur mauvaise mentalité, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage de voir qu'une personne qui a supplié que pardon, je veux telle personne chez moi, pardon, je veux que la personne vienne à mon anniversaire. J'ai appris ce matin que. Elle m'a répondu. Elle me répond, est-ce que je suis en clash avec elle? Je suis en clash avec personne. J'ai pas le temps d'être en clash avec des petites femmes. Pourquoi j'ai dit petite? Parce que la tête là, il n'y a pas grand chose là-bas. C'est comme ça qu'on détecte les petites femmes. La grandeur d'une personne, c'est selon sa réflexion, sa mentalité, son éducation. La grandeur d'une femme. Donc quand une femme est mal élevée et elle est sans éducation, c'est une petite femme. Je n'ai pas le temps de répondre aux petites femmes. Je suis désolée. Je n'ai pas de clash à faire avec ces petites femmes-là. Si je le faisais, c'était avant. Mais maintenant, je ne fais plus. D'accord. Je ne réponds pas aux petites femmes. Je suis venue en mission. Moi, je ne suis qu'une employée. On m'a
envoyé en mission. Donc, elle est venue en mission. Donc, c'est elle, c'est une employée. On continue. Elle a dit ceci, qu'elle est venue en mission. Donc, c'est une employée. On va aller chez Flore Chupinet. On va écouter pour Flore Chupinet. Elle va encore venir encore mettre parce que ce que Flore Chupinet a mis, moi, je n'ai pas eu ça. Bon, on va continuer. Il y a beaucoup de... J'ai pris une partie, hein. C'était Flore. Voilà, maintenant on écoute un peu ceci. Mais moi j'ai dit à Lolo que non. J'ai dit à Stella, laisse Lolo. Stella m'a dit que le jour que tu mets des pieds au Cameroun, elle va t'enfermer. Comme tu, si tu peux mélanger, alors je te dis alors qui. C'est Stella qui a dit. Mais ça, c'est comme ça que hier, comme je disais, que je n'avais pas enregistré le direct de Valérie Landolet, fille de Métette. Là, quelqu'un est venu me bipper que viens où. Je me suis dit encore l'autre, je dis que non. Pardon, je suis en train de regarder ma reine mère manger le pangolin. Parce que ça faisait depuis que ma reine mère Fouflore de Lille n'avait pas fait le direct. Je me dis, hey, non, elle nous a trop fait le sévrage. Donc je suis en train de look. Elle dit que non, viens un peu écouter ce que Valérie est en train de dire sur Pipi. C'est là où j'ai couru. Alors j'ai dit qu'elle m'avait un peu. C'est la partie ici que moi j'ai pu courir. Le nom même c'est le nombre de personnes qu'elle a déjà. Elle a déjà rencontré derrière Chantal Aïs. Viens tout moi. Je ne veux pas me permettre de citer leur nom ici. Elle a rencontré beaucoup de gens. Voire même les colonels, les généraux. Si elle est entrée dans le bureau de mon oncle, Madame Barguenet, c'est grâce à moi. Hein? Puisque Monsieur Raymond Tchenga était décidé à mettre le nom en prison. Qui ignore ça? Il proposait même des fortes sommes que la personne qui lui manque le douille à Lolo, il donne cette somme-là. C'est grâce aux relations, c'est grâce aux relations de Chantal ici que Lolo a pu trouver la paix. Hein? Car les gens ne parlent pas. Hein? Donc ça ne termine pas comme ça. Elle continue. Elle nous dit comment. Qui a fait pour rencontrer l'animateur du Cameroun et comment ça s'est passé? Quand Chantal ici récupère Lolo, et Chantal ici présente Paul Désir à Lolo. Et c'est comme ça que Lolo fait beaucoup de rencontres derrière Chantal ici. Les gens sont écartés, tout le monde se plaint. Et du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ah, c'est leur système, là, leur game là-bas. Donc, hier, quand j'arrive, je t'appelle Lolo. Et moi, je parle, comme j'aime toujours parler, je fais toujours mon cours. Ça, je dis qu'il y a même une. Eh, hey, Seigneur. Donc, ce sont des choses comme ça qui se sont passées. Qui est parti quelque part, elle a mis ça avec 4 ou 5 personnes. Et les personnes-là sont déjà. Dans les problèmes, bam, automatiquement. Je vais un peu reprendre la partie là, si vous avez bien écouté. Elle a nous avec 4 ou 5 personnes, et les personnes là sont déjà dans les problèmes. Il y a une blogueuse qui est partie, elle a niorcé avec 4 ou 5 blogueurs. Et les personnes là sont déjà dans les problèmes. Comme pour dire que quand pays entre quelque part, elle récupère et puis elle gâte dans le coup. Ça veut dire qu'elle aime les inbox. Puis, si tu veux être influenceuse, comme tu te dis là, arrête les inbox, arrête le Kongoussa. On écoute un. Qui est parti quelque part, elle a mis ça avec 4 ou 5 personnes, et les personnes là sont déjà dans des problèmes. Bam, automatiquement, on appelle Paul Desibia. On lui dit que Valérie Amourant-Clan était clashée. Méfiez-vous! On se méfie de quoi, maman? Tu es effrayée, Niki. Tu as bien dit dans le direct là, il y a l'enregistrement. Toi, comme tu as bien dit, mais toi, quand c'est un calot que tu veux changer. Oh lolo, le combo ça est doux, ça c'est seulement le. Parle de ça, j'ai dit à Lolo que stop, tu ne manques pas le respect à Chantal ici. Tout ce qui se passe derrière, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas même. Pas de manque de respect. C'est ce que j'ai dit. Parce que Chantal ici m'a déféré le message que Lolo lui a envoyé. J'ai dit, je vais gérer ça. Et je suis venu, j'ai parlé.
Et moi, je sais que quand il s'agit déjà des blogueuses qui vont enfermer Lolo, je sais que c'est Poche Cayenne qui a dit qu'elle va enfermer Lolo. Pourtant, tu avais dit autre chose aussi. Est-ce qu'elle se dit et elle assure? Et tu avais dit autre chose aussi. Pourquoi toujours tourner derrière, alors qu'il y a la vérité en face? Ce que j'ai dit aujourd'hui, je peux répéter ça. Tu avais dit. Oui, oui, parce que je ne mens pas quand je fais mes directs. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Si vraiment tu tenais à tes propos, pourquoi tu as alors effacé le direct? Parce que maintenant, pourquoi tu as effacé ton direct? Celui d'hier soir, je venais faire ça pour lui, Charles, quoi? Parce que lui, Charles, voulait faire le direct avec moi. Et il sait que quand je fais le direct avec lui, pour que d'autres personnes ne prennent pas, je dois supprimer. Ah, le mensonge, ça. Lui, Charles, quoi? Il y a aussi dans les affaires de pipi et de machin. Pardon, va dire ça. Dans l'histoire, c'est très compliqué. On se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé entre l'amitié de Pipi et de Macha. Il y a beaucoup de trucs. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que Pipi est parti vendre le piment à tous les contacts de Macha? Est-ce que c'est parce que Valérie est jalouse de la relation que Pipi avait avec Macha? Vraiment, je ne comprends plus rien. Bon, régalons-nous seulement avec ce peu. N'oubliez surtout pas de partager et n'oubliez pas de mettre l'argent dans la cagnotte de la Mafou, Flore de Lille. Et nous remercions encore toutes ces personnes qui sont en train de contribuer. Un bisou. Voilà. Je vous ai toujours dit ici là que Pipi avait trahi Macha. Apparemment, Lolo Pipi a une plainte. Je vous ai toujours dit ici là que, vous voyez, c'est que Flore Chupinette a pris l'autre jour. Maintenant, je vais vous donner ce que moi j'ai pris hier soir. Partagez le direct. Et comment j'ai prié? J'ai fait 2 heures de temps. Et je vous ai toujours dit ici que moi je n'invente pas dans la vie de Pipi. Et je vais toujours dire que Pipi a trahi Macha depuis qu'elle était rentrée au Cameroun. Et voici d'où elle a trahi Macha. Voici les contacts de Macha ici. On m'avait envoyé ça depuis l'année passée. Depuis, voici les contacts de Macha que Pipi a trahi Macha. Quand Macha avait présenté le journaliste à Pipi au Cameroun. C'est beaucoup. On va écouter ce que moi j'ai enregistré hier. Ce que moi j'ai enregistré hier. Voici ça. Les oui, les aïe, les ou. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. Vous m'aviez entendu parler. Mm-hmm. Vous m'avez parlé. J'ai compris. Je vous ai toujours dit cela que Pipi a niaise dans l'hôtel. Il y a les vidéos. Et voilà ça que Valérie Amougou a parlé, ça y est, qu'on entend les oui, les aïe, les i. Écoutons. Vous venez parler de Dame Ayissi. Mm-hmm. Qui est ma personne? Mm-hmm. Vous dites que je suis comme ça. Je suis comme vous pensez. Je m'en contrebalance et je m'en foutaise dans la fouterie. Fichez-moi le camp. Comme ma miss. J'ai récupéré ta maïsie, la personne. Mm-hmm. J'ai récupéré les plats de bol et de sac. Voilà. Elle dit qu'elle a récupéré Chantal. Elle a récupéré maman Chantal. Valérie Amour dit qu'elle a récupéré. Écoutez. Maman m'a pris madame Aïssi. J'ai récupéré madame Aïssi au complet. Attends, épingle la cagnotte de ma faux. Lise, attends, épingle la cagnotte de ma faux. Vous êtes plus de 300. À regarder le Japap. Donc, encouragez. Nous sommes les enfants de Mafo. J'ai mis la vidéo de Flo Chupina dans sa vidéo. Donc, cotisons. Mettez seulement 10 euros dans sa cagnotte. S'il vous plaît, mes chers mamans. Mettez seulement, vous êtes plus de 300 personnes à regarder. Si vous mettez 10 euros dans la cagnotte de Mafo, ça va faire l'affaire. Tu vois, tu ne m'as jamais fait ça. Tu ne m'as jamais fait ça. J'ai dit que je ne peux jamais même te faire ça. Vous savez, moi, j'ai mon éducation. Hein? Derrière, je respecte les gens, moi. Je ne trahis pas les gens. Je peux causer 100 ans avec toi, en privé. Il n'y aura pas de fuite. Mes causeries en privé avec une seule personne ne sortent jamais dehors. Parce que je respecte toute personne avec qui je cause. Je ne répète pas non plus les causeries que je cause avec une tierce personne à une autre personne parce que les causeries sont privées et personnelles. Je suis une grande dame. Je suis comme ça. Ce que je cause avec Chantal Aïssi reste avec Chantal Aïssi.
ce que je cause avec Coco Argenté reste avec Coco Argenté et moi. Ce que je cause avec Katino, ça reste encore Katino et moi. C'est ça qui fait moi. Et c'est ça qui fait que cette dame-là me respecte. Vous aviez entendu quoi? Mais vous êtes là ici dehors, vous dites que vous êtes des grandes femmes. Il n'y a rien là. Tout se pose ici. Et vous croyez que partout où vous passez, vous devez mettre vos atouts. Écoutez, et c'est ça qui fait que vous devenez la rusée, le mépris des hommes camerounais. Et c'est pour cela que tous ces hommes-là nous confondent dans le confondement. Parce qu'ils se disent, ça y est, les filles de l'Europe ou les influenceuses camerounaises, elles sont toutes pareilles. On n'est pas tous pareils. Apprenez à fermer vos jambes. Écoutez, conseil d'amis. Écoutez. Apprenez à fermer vos jambes. Même si on te dit que c'est un colonel. Ferme d'abord, assieds-toi bien. Fais courir le colonel. Vous voyez, non? Vous voyez? La baronne de Suisse n'avait pas menti sur Facebook. Mes chers amis, avant qu'on va continuer la vidéo, parce qu'il faut qu'on dénonce. Pipi a utilisé Macha et Valérie Amogo pour avoir une visibilité, pour entrer dans un cercle d'hommes d'affaires au Cameroun. Pour vous dire ceci, Valérie Amogo, je vais vous montrer d'où Valérie Amogo a souhaité joyeux anniversaire à Pipi. On va continuer les audios. Attendez. On va mettre. On va, je vais vous montrer quelque chose. D'où cette femme a souhaité joyeux anniversaire à Pipi. Ce n'est pas comment on invente. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui s'est passé, Pipi, avec Valérie Amogo? Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'elle a supprimé tous les directs là hier. Heureusement que Flo Chupinette a pris sa part. Bata, je vais vous montrer quelque chose. Ah, c'est ça. Le 12 octobre, Valérie Amogo souhaite joyeux anniversaire à Pipi. Elle dit, Lolo, sort du clash. S'il te plaît, tu as la classe, tu es belle. Elle a souhaité joyeux anniversaire à Pipi. Maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que Valérie Amogo en revienne là? Qu'est-ce qui s'est passé que Machan en veut à Pipi? Parce que vous avez écouté que Valérie Amogo dit que c'est Machan. Elle travaille pour quelqu'un. Donc c'est Machan qui envoie le message ici à Pipi. Parce que n'oublions pas que Pipi est entrée en contact avec Valérie Amogo parce qu'elle voulait être dans les cercles des amis. Des cercles d'amis de Machan. Quand Pipi était au Cameroun, quand Pipi est parti au Cameroun, ce qu'on avait arrêté, elle a appelé Machan. Machan lui a présenté le journaliste. Et quand on a présenté le journaliste, Pipi a tout mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pipi, c'est depuis ce jour-là que Pipi a arrêté les contacts avec Machan. Parce qu'elle voulait entrer dans les cercles des grands monsieur, en fait. Tu vois. Maintenant, Pipi ne parlait plus avec Machan. Jusqu'à Pipi est entrée, elle est partie dans les grands milieux de ces hommes d'affaires au Cameroun, que je ne vais pas citer leur nom. Quand Pipi est rentrée sur Meta, elle est rentrée en France. Pipi a dit dans un direct que ce n'est pas la relation de Machan qui l'a fait retourner au Cameroun. Que c'est sa propre relation. Je me souviens même de ce direct. Nico, c'est toi, maman, que vous allez, s'il te plaît. Il dit que je me souviens de ce direct que Pipi a dit que ce n'est pas Machan, ce n'est pas la relation de Machan qui l'a fait retourner au Cameroun. Maintenant, quand la CAN arrive, ma gazon, notre tata Alizomoben, je m'excuse, contacte Pipi
pour le Cameroun, pour la CAN au Cameroun. Pipi arrive au Cameroun. Elle commence à appeler le journaliste là. Jusqu'à ce qui s'est passé avec Manganda et Tata Ali Zomoben, puisqu'on les a rapatriés au Cameroun. On les a rapatriés de la France. Pipi est resté au Cameroun. Jusqu'à Tata Ali était fâché contre Pipi pour dire que mais comment on est venu ensemble, même s'il y avait quoi, tu ne sortais jamais, tu étais toujours dans la chambre. Et Manganda disait tout que Pipi recevait les hommes dans sa chambre, elle ne sortait pas. On comprenait seulement les cris. Elle a envoyé les cris, Stallone, Jomo, ce n'est pas moi. C'est le rouge à lèvres, moi j'ai acheté, c'est le rouge à lèvres Dior, Christian Dior. Donc c'est un rouge à lèvres Christian Dior. Donc, Pipi restait que dans la chambre. Elle ne sortait pas. Manganda avait dit ça ici là dans le direct. Maintenant, Pipi n'est pas parti au même moment que eux. Quand ce qui s'est passé, Pipi appelle la baronne de Suisse. Elle lui dit que elle était dans un bureau d'un colonel qui n'est pas cité le nom d'un colonel. Même Valérie Amourou a parlé de ça. D'un colonel. Jusqu'aujourd'hui, elle a nié. Et sa propre petite soeur avait fait un direct. Répondre à la baronne de Suisse que. Et la baronne de Suisse avait dit que Pipi, tu as tes nus de sang au Cameroun, d'où tu as fait les partous. C'est là qu'il y a un certain jeune au Cameroun c'est celui qui a ta page. Il te fait le chantant parce que tu as tes nus de. Et on m'avait envoyé les captures d'écran. Les captures d'écran, il y a son nom à l'intérieur. Maintenant, la petite soeur de Pipi avait fait un direct. Elle a dit ça, elle a dit à la baronne de Suisse, elle n'est pas mariée. Elle a le droit de sortir avec qui elle veut. Ce qu'elle avait dit pour répondre à la baronne de Suisse. Ce qu'elle avait dit. Et après ça, Pipi ne parlait plus avec Marchand. Marchand a été attaqué ici de part et d'autre. Quand il y a eu l'affaire de notre grand frère qui était mort. Pipi n'a pas levé le petit doigt pour soutenir Marchand. Et Mafo était avec Marchand. On n'avait jamais su que Mafo était avec Marchand. Vous connaissez qui est Mafo? Mafo connaît garder les secrets. Elle connaît la valeur des gens. Et Mafo, ce jour, est sorti les bonnes guerres. Et comme Marchand avait attaqué Mafo, Mafo a profité de ça pour l'attaquer aussi. Elle voulait voir. Pipi n'a pas levé le petit doigt quand Marchand était attaqué de part et d'autre. La seule personne qui est sortie, c'est Ténèbres de Bamoun. Ténèbres de Bamoun qui est sorti fait semblant de dénoncer Marchand. Et ce jour-là, Pipi était dans le direct. Elle a commencé à indexer Marchand. Jusqu'à les Borossans, ils ont dit que non. Pour contrecarrer Mafo, on doit soutenir Marchand. Au lieu que Mafo avait raison. Mafo avait dit un jour dans un de ses directs que Marchand, j'ai été avec toi. Je t'ai soutenu. Mais personne sur cette toile ne savait que toi et moi parlait au téléphone. D'où tu es parti là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et voilà ça aujourd'hui. Parce que Marchand avait, elle naguait Mafo avec Pipi. Jusqu'à elle disait que Pipi était sa fille. Elle disait que Pipi était sa fille. Elle naguait Mafo. Mafo riait seulement. Parce que Mafo connaissait qui était pisseur à Pipi. Parce que Pipi, d'où Pipi touche, ça se gâte. Regardez par exemple le couple Yakuba. Aujourd'hui, ils pleurent. Ils ont inventé des romans pour dire qu'ils étaient en boîte de nuit. C'était notre Mafo qui est parti les rendre visite. Mafo a dit que mettez une vidéo, mais montrez le visage de la personne. Parce que moi-même, quand je dormais, on m'a envoyé la vidéo là. J'ai envoyé cette vidéo à Mafo. J'ai dit que Mafo, c'est une vidéo contre que c'est toi. Elle m'a dit, ma fille, ce n'est pas moi, c'est mes arrières. J'ai dit que Mafo, je te crois. Après, quand Mafo a fait le procès, j'ai dit que non, zéro distraction. Mafo a dit que montre le visage. Est-ce qu'ils ont montré le visage? Il n'y a pas le visage. Et si on monte au visage de Mafo,
parce que c'était pas eux. Parce qu'ils voulaient que Mafo parle de leur anniversaire. Mafo n'a pas parlé de l'anniversaire, ça n'a pas fait le buzz. C'est pour vous dire que même Ténèbres de Bamoun avait dit ça. Que quand Mafo était encore avec le couple Yakuba, elle n'aimait pas qu'on parle d'eux. Elle n'aime pas qu'on parle des gens avec qui elle est. Avec ces gens, elle n'aime pas qu'on parle. Combien de fois Macha? Combien de fois Macha? Personne sur Facebook ne savait que Mafo parlait avec Macha. Parce que Mafo gardait son animal avec Macha. Elle protégeait Macha. Et on voit comment Macha réussissait dans son album. Macha n'avait jamais clashé. Personne. Mafo était là pour soutenir Macha. Depuis que Macha a tourné le dos à Mafo, allez voir Pipi. Macha est devenue clasheuse. Quand tu passes sur YouTube, tu tapes Macha. Tu vois Macha en train de clasher. Elle clash. On ne sait même plus si c'est une artiste. Parce que quand elle t'avait Mafo, tu tapais la chanson de Macha. Tu voyais Macha, artiste, Macha, artiste, Macha. Parce que Mafo protégeait Macha. Et Mafo est en train de protéger ses chiens. Parce que quand Mafo dit qu'elle t'aime, elle t'aime avec amour. Elle n'aime pas qu'on te salit. Elle préfère prendre le devant pour te protéger, pour te soutenir. On prend l'exemple, par exemple, l'exemple de Lady Ponce. Quand Coco Lago s'est mis à vouloir détruire l'Olympia de Mafo, de Lady Ponce. On va entrer dans le vif du sujet. On va entrer sur Pipi. Je vous prends un peu ce que Mafo est 100 fois mieux que Pipi. Quand Mafo a pris, quand Coco Lago était en train de vouloir détruire l'Olympia de Lady Ponce, quand Mafo a pris, quand Mafo a regardé ça, Mafo a dit que dans son pain quotidien, tu ne peux pas venir détruire ça. Mafo s'est mise sur ça. Elle a battu. Quand elle a demandé que challenge Mamie, le challenge Mamie a pris l'ampleur sur Meta à cause de Mafo. Coco Lago a eu mal. Pour faire mal à Mafo, elle est partie toucher Mahana. Pour faire du mal, Mafo a dit que je remets entre les mains de Dieu. Les gens qui étaient en train de soutenir Coco Lago, pour que nous, on est content comme tu as affiché Mahana. Les mêmes gens. Et grâce à Mafo, Lady Ponce a fait le carton plein. Parce que Mafo seul a combattu avant que les papis de Longchamp, Maman Pépé sont venus, ils sont groupés avec Mafo pour combattre Coco Lago. Pipi était là. Pipi n'a pas levé le petit doigt pour soutenir Lady Ponce. Parce qu'elle opérait dans le noir. Elle était contente comme Coco Lago étant tout là détruit l'Olympia de Lady Ponce. Maintenant, quand Pipi a vu dire que, santé, Mafo et Maman Pépé et Papi de Longchamp et tout le groupe qui était avec eux, santé prendre une tournure, c'est là maintenant que Pipi sort maintenant, elle lève le petit doigt pour dire qu'elle aussi, elle est là, elle fait semblant de soutenir Lady Ponce, au lieu qu'elle était dans le noir. Vous voyez un peu quel genre de phénomène est Pipi. Voilà maintenant ça que Coco Lago maintenant qui avait publié Mahana. Les mêmes gens qui ont soutenu Coco Lago, on a jeté Coco Lago ici là dans la rue ici. On l'a tapé en plein direct de karma de Mahana. Pour vous dire qu'on ne s'attaque pas aux mamans. On l'a souillé ici. Les gens qui étaient en train de rire, les Borosangi qui riaient avec eux là, c'est bien comme tu as affiché Mahana là. Les Borosangi étaient où qu'on a tapé Coco Lago ici en plein direct. Juste la honte du siècle. Puisqu'il fallait voir comment elle était comme une malheureuse. Vous voyez un peu le phénomène des vous voyez un peu comment Mafo est capable de soutenir ces gens. Parce qu'elle ne perd pas son combat. Regardez depuis que Macha n'est plus avec Mafo. Regardez comment Macha est devenue. Elle est devenue là. Tout le monde la manque le respect. On la parle mal. Parce qu'elle a collé son image à Pipi. Pipi. Elle a dit. Valérie Amougou a dit que tout ce que Pipi touche, ça se gâte. Tout ce que Pipi touche, ça se gâte. Regarde par exemple la grande soeur Solange Bi. Qui était avec Pipi. Solange Bi qui a donné les habits à Pipi. Qui a tout donné à Pipi. Devant eux. Pipi, quand c'est Pipi Magnan a insulté Solange Bi, est-ce que Pipi a levé le petit doigt pour soutenir? Non. Ça s'est gâté.
Machin qui a donné les habits à Pipi de vendre. Je vais vous montrer les habits que Machin avait donné à Pipi de vendre. On est là pour dénoncer Pipi. Je dis que je la laisse pas dans une tasse. Les gens qui écrivent, là, vous écrivez que pour vous là-bas, maman. Je dis que je la laisse pas dans une tasse. Moi, Nico Kécha, il la laisse pas dans une tasse. Elle ne va pas se reposer entre mes mains. Donc, pour vous là-bas, partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Je la laisse qu'elle pas ouf, maman. Hein? Elle était incapable. C'est comme ça que cette femme est. Elle n'est pas là pour soutenir les gens. Elle est là que pour détruire. Hein? Macha a donné les habits à Pipi de vendre. Pipi n'a pas vendu. Je vais chercher la vidéo là. Pardon, attendez. Attendez, il faut que je vous montre. Parce que moi, il vient tuer avec les preuves. Moi, il vient tuer ici avec les preuves. Je vais chercher cette vidéo. Si vous pouvez m'écouter, partagez le live, mes gens. Je vais chercher cette vidéo-là. Vous allez voir comment Pipi vendait les habits de Machin. Cette femme est d'une mauvaise foi. Tu viens mettre Machin. Depuis que Machin avait toi, elle est devenue que clasheuse. Elle ne fait plus la musique. Elle a collé son image à une waka. Des bas étages. Voilà ça. Ici, Pipi vendait des habits. Ici, là, la vidéo, si elle vendait des habits. C'était les habits de Machin. C'était les habits de Machin. Qu'elle vendait les habits. Jusqu'à ici, là, qu'elle a sali même l'habit pour laisser changer. Voilà ça. Elle vendait des habits. C'était les habits de Machin qu'elle vendait. Elle vendait les habits. C'est tout ça, c'est Machin qui a offert à Pipi. Mais cette dernière n'a jamais été reconnaissante. Elle n'a jamais été reconnaissante. Elle a poussé Machin à clasher son frère. Le grand frère Aïssi le Duc. Au lieu que quand Machin était avec maman, avec ma faux, Machin ne connaissait même pas comment clash. Machin ne savait même pas parce que Pipi était dans le noir. Pipi était en train de dire que oui. Donc, il faut répondre. Elle a sali. L'unité. Pipi avait promis à Machin que, avec le truc de l'unité là, elle va lui offrir 1 million de vues. 1 million de vues, on n'a pas vu les 1 million de vues là. On n'a pas vu ces 1 million de vues. Parce qu'elle a collé son image à une pisseuse. Parce que Pipi, on dit que Nicole bloque quelque part. On dit que Nicole bloque. Attends un peu, je vais le bloquer. Attends, il y a qui un Pipi Mania ici? Attends, on me dit que Nicole bloque. Attends, je vois pas ce talon, je vois pas. Il est où? Il faut mettre la tête de mort. Mettez la tête de mort. Quand on voit quelqu'un, mettez la tête de mort. Attends, je vois pas. C'est vrai qu'il est parti. Comme vous avez dit qu'il est le bloc là. Comme j'ai balayé les commentaires. Voilà maintenant, regardez le genre de personnage qui est Pipi. Regardez un peu le personnage. Valérie Amourou, pareil. Tout le monde qui se fout à cette dernière, la carrière finie. Voilà ça qu'elle arrive à Beau Cameroun. On l'arrête, elle appelle sa soi-disant maman. Sumetala dit que Machin était sa mère. Que Machin c'est sa mère. Comme sa mère est morte, elle prend Macha comme sa mère. Et Macha devient sa marraine à cœur ouvert. Maintenant, Macha n'est plus la marraine à cœur ouvert des pipières. Fichez la paix. Elle me dit que quoi, la haine fait quoi? La haine ne tue pas quand ça vous arrange. Je dénonce. Hein? Macha n'est plus sa marraine à cœur ouvert. Machin n'est plus sa mère depuis qu'elle a eu les petites relations au Cameroun. Elle arrive au Cameroun, on arrête Pipi. Elle appelle Machin. Elle dit à Machin qu'elle est comme ça. Et la personne même qui fait le buzz, c'est ma faute. Les rumeurs sont qu'on a arrêté Pipi. Parce que Pipi voulait cacher. Ma foi de tout, c'est qu'elle veut dire Pipi, tu es en cellule, on t'a arrêté. C'est là que ça commence à faire le beurre. Parce que vous avez quelqu'un, quand il faut toucher quelque chose, ça prend de l'ampleur. Parce qu'elle a son aura, c'est Dieu qui donne. Maman,
Ma chère lui dit que bon, j'ai mon petit au Cameroun. Elle donne le numéro à Pipi. Tellement que Pipi est ingrat. Ingrate. Dès qu'elle donne le numéro à Pipi, Pipi commence à dialoguer avec le petit journaliste au pays. Elle commence les contacts. Les rumeurs disent que apparemment Manganda, c'est pas moi qui dis oh. Ce n'est pas moi qui dis oh. Apparemment Manganda dès qu'elle a nié avec le monsieur. Après, le petit jeune là lui donne les contacts. Elle nias avec un docteur qui a les captures d'écran. Quand vous ne mettez pas les feuilles, ils signalent. Ils sont là, ils signalent. Les pipi manias sont là, ils signalent. Elle nias avec le petit là. Le petit là, c'est Manganda qui a dit. Est-ce que le petit là a porté plainte à Manganda au Cameroun? J'ai dit les dits de Manganda. J'ai dit les dits de Manganda. Maintenant, après, pipi nias avec un docteur. Après, pipi nias avec un maire, le maire. Après, pipi, pour couronner le tout, apparemment, elle nias avec un colonel. Elle a nué les relations quand elle était au Cameroun, qu'on l'a arrêté. Maintenant, quand elle est descendue ici, la canne a fait ouloulouloulouloulouloulou. Pipi dit qu'elle avait, il y avait une femme malienne qui voulait le faire le billet d'avion. C'est vrai, c'est la couillée qui en Angleterre voulait le billet d'avion. Voilà ça. On dit que le aide-moi à détester n'est pas bon. Voilà ça maintenant que. Maintenant, on les offre. On dit que bon, la canne. Vous savez que le couple Yacouba était comme ça. Vous savez que la canne, normalement, il fallait que normalement, c'est qu'on devait prendre, c'est Mafo. Parce qu'on va dire comment Mafo reste la mère du bloc camerounais. Avant que c'est elle qui devait choisir les gens qui vont accompagner les gens pour la canne. Maintenant, comme Tata Aline était dans le aide-moi détester, Tata Aline disait sur Facebook, oh, maman Pépé, c'est ma fille. Elle a laissé maman Pépé. Parce qu'elle a vu que maman Pépé s'était réconciliée avec Mafo. Elle a laissé maman Pépé pour aller choisir Pipi pour la canne. Vous savez que quand Pipi partait à la canne, c'était pas parti pour le match. Elle partait pour le piment. Elle partait pour s'envoyer en l'air. Elle partait chercher son argent. Parce que Pipi a apparemment, ça a 58 ans qu'elle a. Elle cherche l'argent de la retraite. Là, voilà qui arrive à l'aéroport. Elle est des influenceuses d'État. Comme après, c'est la nier. Parce que Pipi niait. Pipi, c'est une personne qui est ingrat. Elle est avec toi maintenant. Dès que tu la mets en haut, si ça rame, elle vient nier. Elle a dit que oh, les influenceurs d'État, machin. Et c'est elle qui avait mis ça à la puce de tout le monde. Que quand les gars là-bas ont dit que machin. Voilà maintenant ce qu'elle arrive à l'hôtel. Elle arrive à l'aéroport. Dès qu'elle arrive à l'aéroport, elle ne part pas avec les Manganda. Les Manganda, Tata Aline prend leur voiture. Pipi dit que non, elle attend son petit frère, l'avenu. Tu dois venir la récupérer. Avec le petit journaliste que au Cameroun là. Pour qu'il parte tourner. Donc, il faut que comme elle venait stylée, elle veut tout montrer que non, elle ne marche pas avec n'importe qui. Elle est star dans sa tête. Au lieu que ici en bas, quand tu entres en bas là, c'est dit à Lolo. Voilà ça maintenant qu'elle arrive. Parce que Manganda avait dit aujourd'hui qu'elle est arrivée au Mont Foubi tard. Elle est arrivée à plus de une heure parce qu'elle est partie faire le tour. Elle est rentrée, mais tant sous. Vous savez que quand Pipi boit, elle perd la tête. Elle oublie ce qu'elle a fait. Mais Manganda se souvenait bien. Les directs sont là. Hein? Voilà maintenant ça que Pipi maintenant arrive à l'hôtel. Avec son petit frère l'avenu. Et le petit journaliste, il s'en là-bas dedans. Il commence à savoir ce qu'il était en effet. Maintenant, apparemment, et Manganda avait dit ce jour-là que. Le jour là, et nous tous, nous avons vu ceci là sur Facebook. Pipi n'a pas travaillé le jour de la canne. La personne qui a valorisé la canne, c'était Mafo. On avait vu Mafo au stade avec le drapeau de la canne. Elle faisait le direct. Elle avait son sifflet. Alors que les gens qu'on avait invités à la canne, qui étaient les pipis, n'ont rien fait. Manganda avait Tata Aline, il était en sous-vêtements. Il était seulement venu montrer leur corps. Il n'était pas venu présenter la canne. La seule personne qui a valorisé la canne au Cameroun était Mafo. Parce que Mafo avait le sifflet. Elle avait son truc ici, le drapeau du Cameroun. Elle était au stade. On voyait la canne dans le terrain de Mafo. Mais Pipi,
qui était envoyée, elle était dans la chambre. Elle ne sortait pas. On n'envoyait jamais. Elle était parce qu'elle était occupée à Nias dans la chambre. Elle cherchait ses clients. Et Manga avait dit ce jour-là que Pipi avait les Marocains. Tous les Marocains qui étaient venus le jour de la canne, Pipi avait Nias avec l'un des Marocains là. On comprenait. Même celle-là dit, ma Valérie Amourou a dit qu'on comprenait les ouï, aïe, ouï, aïe, ouï, aïe, ouï, aïe. On voyait comment la chambre de Pipi bougeait. Parce qu'elle était entrée de Nias. Elle niaçait le jour de la canne. Pipi n'était pas parti travailler. On a payé Pipi gratuit. Gratuit. Elle n'a même pas travaillé. Après, sans compter les hommes avec elle, Agnès. Maintenant, voilà Pipi. Pipi niaçait tous les jours. Oh, oh le méo. Même ma papa avait parlé, c'est cela que Pipi avait niaçé le méo au Cameroun. Elle sortait avec le méo au Cameroun. Elle a niaçé le méo. Le méo était, le méo là est marié. Le maire est marié, c'est un jeune maire. Il est marié, c'est le maire de Yonge, il est marié. Un jeune. Pipi a Nias, le maire a Nias. Oui, aïe, oui, Nias. Le maire a vu une femme aussi avec le goni. Mais là, il dit, oh, c'est une bengisse. Comme elle fait le nian, ça, elle met le make-up. Apparemment, le maire est entré, il est parti à l'hôtel avec Pipi. Il arrive à l'hôtel, il voit une grand-mère. Quand Pipi a enlevé la perruque, Pipi, tu vois comment tu es une poisseuse. Quand Pipi a enlevé la perruque, quand Pipi a enlevé la perruque, maman, le maire a dit que mais c'est une grande messie, maman. Il a vu la grande confirmée. Il a dit que mais comme le maire se disait que peut être en bas, c'était encore bien serré. Parce qu'elle aime souvent dire que ici, son bas est serré. Ça, quand un homme entre à l'intérieur, il ne sort plus. Maman, voilà le bas, maintenant, Pipi qui écarte. Elle écarte maintenant. Pendant qu'ils sont en train de faire l'amour. Oui, aïe. Quand le maire met pouf, il va commencer à nager comme le poisson. Ça nageait. Maman. Il a zappé Pipi. Il a donné 30 000. Pipi, c'est un man. Pipi, le maître a donné 30 000 à l'indignacement. Tu quittes Paris pour arriver à Yaoundé. Tu sors avec le maire. Moi, je ne crois pas le maire de quel vélo. Tu sors avec le maire. Il te donne 30 000. 30 000 d'indignacement. Tu n'as rien profité. Et le maire t'a barré. Parce que ici, ça coulait. Et quand le Pipi, si je mens, appelle encore le maire, on voit. Pipi, appelle encore le maire, là, on voit. Je vais vous dire pourquoi ma chérie est fâchée contre Pipi. Pipi, appelle encore le maire, on voit. Parce que le maire est ici à Paris. Il vient tout le temps à Paris. Il n'est jamais rencontré. Jamais de la vie. Jamais. Même mettre les autres. Parce qu'il a compris que tu n'as pas une bonne haleine. Tu n'as pas une bonne haleine. Tu es vieille. Il a compris que c'est le make-up qui te rend belle. Tu es vieille. Et quand tu enlèves le make-up, on voit une vieille grand-mère de 60 ans. Et comme tu crois que, comme tu dis que tu connais faire l'amour, Pipi, si tu savais vraiment faire l'amour, le médecin, là, le docteur, là, tu devais le retenir. Le maire, là, tu devais le retenir. Tu devais retenir ce maire. Et sans couronner le tout, maintenant, toi, Pipi, on peut dire que oui, n'importe qui a sa chance. Tu pars, tu tombes sur un gros poisson comme le colonel, un colonel au Cameroun. Qu'on dit que, parce que moi, je suis pas sûr, hein. Parce que on te donne les points gratuits. Je ne suis pas sûr que tu as couché. Parce que aucun homme ne peut te draguer, Pipi. Tu es vieille. Maintenant, disons que oui, tu es tombé sur un colonel, Pipi. Tu as gagné quoi sur le colonel, la maman? Disons-nous les vérités, maman. Puisque tu es l'âme d'âme, tu es 0-0. Au lieu qu'il y a les filles qui tombent sur le gros poisson comme les colonels, comme ça, ils ont les grosses villas au Cameroun. Hein? Ils ont. Et des pipis, et dessus quoi? Hein? Maman, oh, le job, oh, le tarot gratuit, maman. Eh, hey, pipi, dans le tarot gratuit aux hommes, oh, maman. Et dessus quoi, pipi? On ne te logeait pas, hein. Tu louais dans une petite chambrette là-bas à Yaoundé. Chambrette à Yaoundé. Et dessus quoi? Et tu étais dans les bars à Yaoundé. Au lieu que quand tu sors avec un colonel, ce n'est pas n'importe qui. Pipi, c'est la classe. Qu'est-ce que tu as gagné, Pipi? Moi, j'aimerais savoir. Pipi, c'est la poisse, Pipi. Parce qu'on dit, hein, parce que Valérie Amourou a dit que le colonel, parce qu'on dit, Pipi, tu as gagné quoi? Et Valérie Amourou dit que tu ne te fais même pas désirer, Pipi.
Si c'est le colonel vraiment comme il dit là, pourquoi tu ne te fais pas désirer? Ah, ça va. À quoi elle est dans la Samsung? Dans la Samsung. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, Pipi, si c'est vraiment vrai que tu as nias avec le colonel comme Valérie Amougou a te dit, maman, viens nous dire ce qu'il t'a donné. Il t'a donné quoi? Même te faire désirer, tu ne te fais pas désirer. Tu es parti. Tu as ouvert les cartes, la chatte pour ça. Maman, il fait ma porte. Tu as ouvert les cartes. Tu as ouvert les cartes. Elle est partie, elle est écartée. Tu ouvres comme ça. Tu ouvres. Waouh! L'homme entre à l'intérieur. Il t'a donné combien, Pipi? Donc, Pipi, je comprends bien. Donc, quand tu dis que tu as les relations au Cameroun, c'est le monsieur-là, hein, Pipi, tu peux au Cameroun, là. Tu ne remets pas l'argent de Clarisse Inga. On va faire le tapage sur Meta. Si c'est à cause de ça. Hein? Tu vas dedans. Pipi, si c'est à cause du colonel là, que tu dis que tu as les relations au Cameroun, et que tu es, si ce sont eux qui t'envoient, Pipi, t'envoie de venir escroquer une pauvre femme comme Clarisse Inga sur Facebook. Ce sont ceux qui t'envoient de venir escroquer une pauvre femme sur Facebook et que tu ne vas pas remettre l'argent. Tu peux au Cameroun. Tu ne remets pas l'argent de Clarisse Inga. Et quand on ne te met pas au mur pour escroquerie, on va faire le tapage nocturne sur Facebook. Tu ne peux pas faire. On ne peut pas. Tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que tu es parti écarté. Même pas 5 francs, t'as pas donné, Pipi. Maman, on peut faire ça. Ouais, t'as pas de sortie avec les hommes, c'est quoi, non, Pipi? T'as pas de sortie avec les hommes. Sans 5 francs, maman. Un gros poisson comme ça. Comme le colonel, un gros poisson, un gibier. Que tu peux profiter au moins même une maison au Cameroun. Tu n'as même pas profité, même pas 5 francs. Tu es venu étant élan. Il faut que pour aller à Dubaï, tu mets le PayPal, tu mets le Liti sur Meta, tu mets le Liti pour qu'on cotise. Au lieu que tu as nias avec un colonel. C'est ce que Valérie Amougou a dit. C'est pas moi qui dis. Oh. C'est là ce qu'elle a dit. C'est qu'elle a dit. Hein? Bête. On peut être une poisseuse comme ça, Pipi. Et vous allez dire qu'on s'en prend à Pipi, mes chers frères et sœurs. Et vous allez dire qu'on s'en prend à cette femme. Hein? Et tu es sur Facebook, tu es jalouse des petites filles qui sont au Cameroun. Tu es jalouse des petites filles qui sont au Cameroun. Au moins, ces petites filles, au moins, ils prennent un peu les miettes. Mais toi, que tu sors de bain, tu pas nias pour 30 000 francs. 30 000 francs. Signalez mon live ou quoi? Pourquoi vous signalez mon live? Ne signalez pas mon direct. Soyez fair play. Ne signalez pas mon live. Soyez fair play. Ne signalez pas mon live. Pourquoi vous signalez mon direct? Hein? Tu pas nias pour 30 000 francs. Envoyez les cœurs. Tu pas nias pour 30 000 francs au Cameroun. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu pas nias pour 30 000 au Cameroun. Une soi-disant femme qui a fait le tour de la terre. Le tour du monde. Tu n'as rien profité. Rien. Tu as oublié de mettre le pépa pour mendier. Qu'est-ce que tu es? Hein? Tu viens de mettre le PayPal pour mendier. Tu ne te fais même pas désirer. Quand tu peux au Cameroun, ils sont en train de signaler, lui. C'est vrai qu'ils sont en train de signaler Vanessa. Ils signalent. Pourquoi vous signalez mon life? Je sais que sur elle, qu'est-ce qui s'est passé, mes chers frères et sœurs? Pipi, tu n'as pas honte de coucher avec l'entourage de quelqu'un qui t'a tendu la main, Pipi. Tu as fait semblant d'aimer Marchand. Tu dis que Marchand est ta mère. Tu dis que Marchand. Hein? Tu dis que Marcha est ta marraine. Tu flattes. Elle vient dans ton émission. Elle vient dans ton soi-disant anniversaire. Elle colle son image à ta part. Son merci
d'aller écarter avec son entourage. Jusqu'à tous les entourages sont gâtés. Elle s'est gâtée avec ses propres gens. Partout où tu colles ton visage, où on colle, quand tu colles ton image avec quelqu'un, ça se gâte. Pipi, c'est la poisse. Pipi, c'est la poisse. Tu dois regarder, tu dois savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Tu ne peux pas salir les mains de Marchand. On doit te dénoncer. Parce que depuis que Marchand est devenue clasheuse, elle est devenue clasheuse, elle n'est plus musicienne, elle n'est plus une artiste. On ne l'invite plus. Alors qu'avant, on l'invitait partout. On invitait Marchand un peu de partout. Mais depuis qu'elle a collé son image avec ton image, on ne l'invite plus. Parce qu'on va dire qu'on invite une clasheuse. On invite une clasheuse, maman. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas. Tu as fabriqué qui dans la tour on a vu, Pipi? Pipi, tu as fabriqué qui on a vu? Qui on a vu? Tu pars, tu vois ce qu'on a, tous ceux qui sont fabriqués seuls. Tu fais semblant, tu prends pour sucer leur énergie. Et c'est toi-même qui avais dit que tu as le Mami Wata. Moi-même, tu avais dit sur Facebook que tu as le Mami Wata dans le ventre. Et je confirme que oui, c'est vrai que tu as le Mami. Parce que tous les hommes avec que tu niasses, les hommes sont zéro. Va pas autant. Quand pas autant t'a laissé, il est parti à Lourdes. Il est parti à Lourdes prier Dieu. Il a compris que tu étais une poisse. Tu étais la caillou sur sa chaussure. Il est parti à Lourdes. Il a prié. Il a dit qu'il enlève la poisse sur lui. Parce qu'il avait collé ça avec une femme. Oh Dieu, quand tu vois pas autant, il est devenu un homme debout. Il est devenu un homme galant. Debout. Debout, un homme galant. Va, papa Fodia. Papa Fodia est resté avec toi 13 ans sans rien. Le merci, ce que tu appelles la police. Le merci, ce que tu montes Luz Goya derrière papa Fodia pour que Luz Goya manque le reste, papa. Tu viens t'asseoir, tu viens t'asseoir sur Facebook, Pipi, tu viens t'asseoir sur Facebook. Venir parler aux vraies femmes, tu m'étends. Tu peux parler aux femmes, Pipi. Pipi, tu peux parler aux femmes. Quand les femmes parlent, tu peux parler. Montre-nous un homme avec qui tu as sorti ce que l'homme-là a réussi dans sa vie. L'homme-là, montre-nous un homme, l'homme-là a réussi dans sa vie. Montre-nous un homme, il n'y a pas. Il n'y a pas un homme qui a réussi. Il n'y a pas une personne qui a réussi avec toi. Par exemple, je prends le cas de ma ministre. Ma ministre qui est derrière toi comme le zinzin. Qu'elle ne sait pas de quel côté elle part. De quel côté elle part. Tu as arraché ma ministre, papa Foya. Ma ministre est tombée la dépression ici. Tu as fait semblant de faire un direct. Tu as insulté ma ministre dans le direct en parabole. Pipi, tu as quel ami sur Mita? Tu es dans le aide-moi à détester. Tu n'as pas d'amis. Parce que, quand on dit ami, la reine met les pipi mania, les audios de ça. Même de la parler de marchand. Tu dis, même de la parler de marchand, tu n'as pas d'amis sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amitié. Parce que tu ne penses qu'à toi, Pipi. Tu es tellement égoïste. Tu crois que tout t'appartient. Rien ne t'appartient sur Bita. Regardez maintenant, avec tous les hommes que tu as nias, ils ont la poisse. Valérie Amour a dit, tous les hommes avec qui tu as nias, ils ont la poisse. On va encore écouter. Tous les hommes avec qui tu as nias, ils ont la poisse. Elle a dit, tous les hommes avec qui tu as nias, ils ont la poisse. La poisse est sur eux. La poisse est sur eux. Partagez le direct. Aïe, les ou. Ah, ah, ah. Voilà ça, les aïe, les ou, les ah, ah, ah. Quand vous voulez dire que la vidéo est ici, écoutons. J'ai entendu parler, il m'a parlé. Vous venez parler de ta ici. Qui est ma personne? Vous dites que je suis comme ça. Je suis comme vous pensez. Je m'en contrebalance. Voilà, je m'en foutais, c'est dans la fouterie. Fichez-moi le camp. Quand il veut parler, ils sont allés au Nico, tu dis. J'ai récupéré ta maïsé, ma personne. J'ai récupéré les plans de bol et de ça. J'ai récupéré. Voilà ça. Parce que c'est dernier Valérie. Tu as composé ta Valérie Amougou. Tu as flatté Valérie Amougou pour qu'elle te donne la. Elle te donne le numéro de machin. Elle te donne le numéro. Quand tu as donné le numéro de machin, tu as zappé Valérie Amougou. Pour sucer bien Marchand, pour flatter Marchand, pour dire à Marchand combien de fois que non, tu es avec elle. Elle est ta marraine. Et comme tu savais que Marchand était l'ami du homme lourd,
Tu es entré, fais semblant de soutenir ce monsieur. On t'a donné ton soir, on n'a jamais vu le terrain. Hein. On n'a jamais vu le terrain. Jamais vu le terrain là, ce métal, jamais. Tu me dis qu'on t'a donné le terrain pour taper, pour cogner les têtes. Au lieu que tu fais, ma faux. Il y a les choses comme ma faux aille manger derrière ma chambre. Elle n'a jamais dit. Mais comme tu es une personne, que tu es une haineuse, mes chers frères et sœurs, je vous dis que Pipi, c'est une femme qui est tellement haineuse. Parce que tu es encore, comme tu veux montrer, comme tu as vu que ma faux était avec ma chambre, ma chambre est venue sur derrière toi. Alors que ma faux la sagesse, n'était même venue, je suis fait beaucoup de choses. Telle personne m'a donné, non. Elle a fermé sa bouche, elle a essuyé. Mais toi, tu as fait semblant de soutenir les hommes là. Et on a même vu le terrain. Oh. Mais comme tu voulais cogner la tête des écans et des bamlekés, tu savais quand tu étais détesté. Tu dis que oh, il m'a donné le terrain pour cogner. Ça a fait le bleu. Le tapage nocturne sur Facebook. Parce que tu as besoin de la visibilité. Parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu es capable de détruire l'être humain pour te faire voir. Maintenant, quand ce monsieur a eu un problème, tu n'as même pas levé la kikinette, le petit doigt pour le soutenir. Comment dire que quand mon mentor est en guerre, je pars en guerre avec la personne. Tu n'as même pas levé ton petit doigt pour le soutenir. Tu étais dans le noir pour tuer dans le noir. Voilà ton rôle d'être dans le noir. Tu es tout là pour détruire les gens. Tu détruis partout à ton passage. Parce que tu es mauvais fond. Les gens disent que non, ce n'est pas ton année. Tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Et tu vas récolter ça. Tant que tu ne demandes pas pardon aux Camerounais. Et tu vas récolter tout ta... Et tu dis que c'est le karma de celle, la petite qui était morte au Gabon là. Pas ta faute. Tu es en train de dire aux Camerounais que qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait à Esther au Gabon. Tu as comploté contre son meurtre. Tu es parti voir son petit ami pour dire que la petite la sortait avec un Camerounais. Et comme son gars était un Sénégalais, son gars n'a pas pu supporter. C'est à cause de toi que la petite est morte. Mais tu vas venir sur Facebook dire que c'est le karma. Tant que tu ne te confesses pas sur la mort de la petite fille qui était au Gabon, tu ne vas jamais rester tranquille. C'est moi qui te dis. Et à toi et moi, le Fombo, vous deux là, sur Meta, vous avez les passés sombres. C'est pour ça que tout ce que tu touches sur Facebook, ça ne réussit pas. On n'a jamais vu le terrain qu'on t'a donné. Parce que tu voulais faire du mal. Tu voulais montrer à ma faute que comme tu étais avec ma chambre, tu as profité le terrain. Au lieu que ma faute n'a jamais dit que telle personne m'a donné telle chose. Parce que vous voulez tout prouver. Tu es où aujourd'hui? Les relations de ma chambre. Tu es parti niasse avec tout le monde. Tu as gâté. Il y a des gens qui profitent même. Hein. Il y a des gens même que derrière quelqu'un, on dit que derrière quelqu'un devient quelqu'un. Mais derrière machin, tu as profité. Tu as gagné quoi alors? Avec toutes ces relations-là. Le maire, le colonel, telle personne. Tu as gagné quoi? Pipi, viens nous dire ce que tu as gagné durant les relations de machin. Tu as gagné quoi? Tu as gagné le Congo ça. Le Congo, le Coméra et peut ta mort. Tu es une mamie connue des têtes. Voilà ton travail sur Facebook. Voilà ton travail. Cogner les têtes des Camerounais. Voilà ton travail. Tu as gagné quoi? Viens nous dire. Est-ce que c'est normal? C'est vrai que tu es le genre de femme que tu fais en sorte que aucune personne ne peut plus donner sa relation à quelqu'un. Vous parlez sur Facebook, hein. Vous avez tout dit, c'est que ma faute est la mauvaise femme. Cette femme n'est pas mauvaise. C'est aujourd'hui que beaucoup de personnes comprennent que ma faute n'est pas une bonne personne.
Parce que les gens avec qui Mafo était, les gens voulaient que Mafo vienne laver leur propre relation. Elle avait lavé leur relation. Jamais. Quand toi tu dis que Mafo. Si on veut prendre les injures de Mafo par rapport au Yakuba, Pipi, on prend ta part, maman. Ta part est pire. Pipi, ta part est pire. Si on veut prendre les injures que tu dis que Mafo. Mafo a même insulté quoi? Mafo n'a rien dit de mauvais. Mafo n'a rien dit de mauvais au couple Yakuba. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Parce que le couple Yakuba veut savoir que Mafo vient s'agenouiller. Mafo ne s'agenouille pas. C'est une star. C'est une star. Mais par contre, toi, Pipi. Mais quand j'écoute, c'est que quand le couple Yakuba dit que la personne a dit que j'ai déjà mangé ma maison. Non. Le couple Yakuba. Non. Si Mafo était ta personne, tu n'es pas escroqué son argent. Vous n'êtes pas escroqué son argent parce qu'elle elle va nope avec sa mère. C'est elle qui paie le loyer. Elle se débrouille pour cotiser 1000 euros. Vous n'êtes pas marié son argent. Donc, ne dis pas que non, la personne qui a marié chez moi et tout, je ne peux pas saluer. Jamais il n'y a pas de salutation sur l'argent. La money bar money. Donc, si on veut regarder les injures, Pipi, t'as pas été pire. T'as pas d'injures alors. C'est la catastrophe. Puisque ça ne dit même pas, ça ne dit même pas rap. Ça ne dit pas rap. Parce que quand tu insultes, tes injures sont nauséabondes. Le jour que Macha était sorti, insulté, clashé son grand frère, tu as partagé Pipi. Et Mafo avait fait un direct, avait dit que non. Mafo était contre le direct de Macha. Que tu n'es pas insulté, tu n'es pas sorti sur ton grand frère. Mais Pipi, toi tu es sorti sur le grand frère de Marchand. Tu dis que hein, il insulte Marchand. Pourquoi? Si tant encore insulte Marchand, tu vas l'insulter. Tu es toujours en train de détruire la famille des gens. Tu as vu un jour Mafo détruire la famille de quelqu'un sur Facebook? Non. Elle sait faire la part des choses. Solange Bieté suit sur Facebook avec sa petite soeur. Tu es entré dedans. Tu as monté Solange Bieté contre ta petite soeur. Ça te plaisait quand elle insultait sur Facebook. Ça te plaisait qu'elle insultait. Au lieu qu'une personne, une personne de bonne foi, tu devais dire à Solange que non, ne fais pas. Ne sors pas sur ta petite soeur. Mais ça t'arrangeait. Mais tu as vu Mafo. Mafo avait dit. A dit que non. J'ai oublié le nom de la petite soeur. J'ai oublié son nom. J'ai oublié même son nom. Mafo avait dit à sa petite soeur que non. Arrange avec ta grande soeur. Ne l'insulte plus. Ce n'est pas bien quand vous affichez. Ne sors plus sur elle. Ça fait qu'elle a commencé à améliorer. Elle n'est plus sortie jusqu'à. C'est même sa cause de Mafo même qu'elle s'est arrangée avec sa grande soeur. Et Mafo avait dit à sa grande soeur que c'est ta petite soeur. Arrange avec elle. Mais toi, Pipi, c'est toi qui étais censé. Parce que vous vous connaissez à Kribi. Ou tu sais que le linge, ça, c'est là en famille. Mais dans ta famille, il y a les cadavres. Mais toi, H.D. Lambert, merci beaucoup, merci Gisèle. H.D. Lambert, mais tu sais que dans ta famille, il y a les cadavres. Mais tu as préféré que H.D. Lambert et sa grande soeur viennent se mettre en spectacle sur Facebook. Jusqu'à le monde entier. Il fallait voir les pipimania. D'où il y a la haine. Tu vois, les pipimanias sont en train de partager les directs de la haine. Les directs où deux soeurs du même ventre se bagarrent. C'est là que Pipi était. Oui, elle énerve trop. Oui, maman. Jusqu'à faire que Solange. Oui, la fabuleuse. Jusqu'à faire que Solange insulte sa maman sur Facebook. Vous ne voyez pas, hein? Mais quand je vois les petits nyamanyama dire que oh, Nico, que tu avais sa mère. Comment elle avait insulté ma mère sur Meta? Jamais. Mais Pipi a poussé Solange Bi à manquer le respect à sa mère. Alors que Pipi voulait dire que non, ne fais pas ça. Mais Pipi était fière. Elle était contente. Elle partageait le direct. Mais Mafo a fait la part des choses. Mafo a dit à Solange, à H.D. Lambert que non, ne fais pas ça, c'est ta grande soeur. Et Mafo a dit à Solange Bi que non, ne fais pas ça, c'est ta soeur. Arrangez vos problèmes en interne. Mafo était entrée dans le direct de H.D. Lambert ce jour. Elle a dit à H.D. Lambert que non. J'ai regardé Mafo et dit que non. Ça, c'est une bonne femme. Elle a dit qu'elle arrêtait ça. Tout le monde a les problèmes. Vous, c'est ténébreux. Vous avez tout cherché. Allez, voir le frère de Mafo pour détruire Mafo et son frère.
détruit. Mais quand ma faut faire les directs, elle fait semblant de blaguer. Elle vous dit que après tout, c'est mon frère. Cette femme est tellement intelligente. Ça que vous n'avez jamais atteint le carreau de cette femme. Elle vous dit sur Facebook que elle sait que son frère parle mal d'elle chez les ténébreux. Mais quand ma faut faire le direct, elle dit qu'après tout, c'est mon frère. Est-ce que moi, je vais le jeter? Mais quand ma faut faire le Congo ça avec sa mère, elle fait le Congo ça, elle rit de son frère. Ils sont en train de dialoguer. Mais si c'était toi, Pipi, tu crois si c'était, vous attendiez que Mafo vienne verser son frère sur Facebook. Elle n'a jamais versé son frère sur Facebook. Jamais. Mais elle essaie de couvrir. Parce qu'elle sait que, après tout, c'est son frère. Mais vous, mais toi, Pipi, quand Chantal a ici, a clashé son grand frère. Tu es parti partager le direct. Jusqu'à toi, tu as dit que si il continue encore à insulter Macha, tu vas venir clasher le grand Aïcha. Toi qui? J'ai compris que tu es une haineuse. Tu as conduit Macha en erreur. Je suis sûr de moi que Macha en réglait le jeu qu'elle a collé son image avec toi, Pipi. Parce que quand tu entres dans le YouTube, quand tu pars dans YouTube de Macha, ils sont en train de signaler, mettez les cœurs. Quand tu pars dans le YouTube de Macha, tu vois Macha qu'avec les clashs. Qu'elle est en train de répondre. Parce que tu lui as donné le goût de répondre, Pipi. Tu lui as dit qu'il faut qu'elle réponde. Au lieu qu'une artiste ne répond pas. Va dans le YouTube de Lady Ponce. Tu ne vas jamais voir Lady Ponce en train de clasher. Non. Tu crois parce que ça ne fait pas mal? Parce que c'est qu'elle est une artiste. Elle doit vendre son image. Mais Pipi, toi, tu n'as pas permis que Macha vende son image. Tu as permis que Macha clash son frère. Quand Macha a clashé, tu sais que quand Macha a clashé son grand frère là, tu sais que ça a fait l'impact dans son tube, dans sa carrière. Ça a fait l'impact dans sa carrière. Parce que même si ton frère quoi, il reste ton frère. Mais tu as partagé le direct. Jusqu'à les gens t'ont dit que tu as fait le direct, les gens t'ont dit que n'entrez pas dans cette famille. Tu dis que machin, tu as commencé à expliquer les problèmes sur ça, ces problèmes familiales. Comme tu as commencé à dire que non, comme elle ne s'entend pas avec sa mère, tu as commencé à dire ça dans ton direct. Les gens t'ont dit que Pipi ne fait pas ça. Au lieu que machin, peut-être s'est confiée avec toi, elle s'est confiée à toi. Et Mafo avait dit que elle savait, mais elle n'a même pas parlé. Parce que Mafo sait garder le secret. Est-ce que les choses se gèrent en interne? Mais toi, Pipi, tu es venu expliquer aux Camerounais que qu'ils ne s'entendent pas dans leur famille. Tu as tout dit. Tu as rendu cette femme si niant. Macha, pas encore où? Pipi, Macha, viens nous dire. Tu étais avec une star. Viens nous dire si Macha pas encore. Elle part dans quelle soirée. On invite encore Macha où? Comme toi, tu as fini d'utiliser Macha. Tu as fini d'avoir le contact des colonels, des maires, des docteurs, ou un peu des petits gens au Cameroun. Des artistes comme les Catino, les Amapiero. Tu as abandonné Macha. Maintenant, Macha, pour toi, n'est plus rien. Elle est comme le caca. Au lieu que tu t'es en train de dire, oh Macha, ma mère, ma marraine, oh la star Macha, oh Macha, je t'aime jusqu'à après toi sur le virage. Oh, une grande artiste. Parce que tu voulais profiter derrière quel Pipi, je ne peux pas te laisser dans une tasse. Même si les gens disent que c'est pour sortir son clip, c'est pas le clip. Parce que j'ai vu dans une page, on dit que oh, Macha en fait ça parce qu'elle veut sortir. Elle veut sortir le clip. Non. Ce n'est pas le clip. C'est les sales habitudes. Nous sommes les blogueurs. Nous sommes la nouvelle génération de demain. Tu crois que si un jeune a un problème au Cameroun? Merci Alima, merci ma mère pour les 50 étoiles, merci Alima. Merci que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse, ma mère chérie. Merci. Hein? Tu crois que si arrive au Cameroun, j'ai un problème et que tu vas appeler une personne, la personne va refuser. Elle va dire que regarde, voilà comment les blogueurs là se comportent. Quand tu leur donnes une petite relation, ils arrivent là-bas, ils écartent les jambes. Tu ne parviens, tu ne fais même pas compte. On se pipi quand tu aimes une benguise. Quand tu, même si tu dors dans une chambre en paix, tu es une bendice. Quand tu arrives, donne-toi de la valeur.
Fais-toi draguer. Fais qu'on te drague. Si c'était pour toi, il serait pour toi. Fais-lui marcher même pendant 6 mois. Quand c'est une personne importante, quand c'est une autorité au Cameroun, c'est une personne importante. Que c'est lui qui... Et ce n'est même pas toi qui drague. Pipi, quel homme t'a dragué? C'est toi qui dragues les gens en écartant le tout. C'est quand ces hommes-là te voient avec le make-up, ils voient les gros nichons, les gros nibards. Mais quand tu arrives dans la chambre avec eux, quand tu enlèves la perruque, on voit une grand-mère. Et quand tu enlèves le soutien, on voit les seins tomber. C'est là qu'on comprend que non, que tu es une vieille femme de 5 ans, de 60 ans. Parce qu'on ne te drague pas. On fait semblant de te draguer parce que tu es une femme facile. Fais-toi draguer. Même s'il y a un homme qui te... Même s'il y a une personne au Cameroun qui te drague. Pas au pays, tu reviens. Tu lui fais marcher. Tu manques quand même derrière lui. Mais toi, comme tu as besoin d'écarter, bah tu écartes avec tout le monde. Tout le monde, pipi. Tout le monde, tu écartes. Pipi, il dit qu'on a dit que tu as une maladie là sur toi. Bientôt, il va dire la maladie que tu as. Bientôt là, je vais dire la maladie que tu as. Parce que parfois tu gonfles. Tu prends le poids. Tes hormones gonflent. Il est jour. Après, parfois tu maigris. C'est que Catherine. C'est même que Catherine femme sa maman. Hein? Vous tentez de détruire. Vous tentez de détruire le bloc de demain. Vous tentez de détruire le bloc de demain. Je ne peux pas te laisser faire, pipi. On ne peut pas faire ça. C'est comme ça que tu as voulu détruire Chéri Job. Hein? Tu as fait que Machin en veut à Chéri Job. Parce que tu as vu que Chéri Job, notre frère Camonais a dragué Chéri Job. Parce que tu l'as sorti avec lui. Tu peux sortir avec le boxeur là. Pipi. Tu peux sortir avec le gars de Chéri Job. Tu t'es bien regardé. Avant que Machin n'appelle Chéri Job pour demander des excuses. Elle n'en revenait plus. Elle a compris que tu sais le nombre de personnes que tu as détruites derrière Machin, pipi. Je prends l'exemple du gars le Chéri Job, qui était l'ami intime de Machin. Tu as détruit l'amitié là. Parce que tu étais jalouse de Chéri Job. Pipi, quand toi tu te regardes, tu atteins Chéri Job. Pipi, quand tu te regardes, tu vois la beauté de Chéri Job. Donc, tu croyais que le gars là, notre frère Camerounais là, peut te draguer. Il ne peut pas te draguer. Pipi, tu es une grand-mère, pipi. Regarde-toi bien. Parce que, pipi, il est au filtre. Mais voici, il n'y a pas mis le filtre. Il n'y a pas mis le filtre. Mais tu ne me bats pas en beauté. Tu es encore derrière. Même ta petite soeur là, je ne vois même pas dans votre pipi mania là qui me bat en beauté. Je n'ai pas mis de filtre. Mais je me bats avec mes moyens de bord. Je t'en suis fier. Tu sais le nombre de personnes que tu as détruit la carte. Tu sais le nombre de personnes que tu as détruit derrière ma chambre. Les vérités vont sortir. Je ne peux pas. Je dis que je vais chercher du fond. Je vais fouiller ce qui s'est passé avec ma chambre. Parce qu'il veut couper le condom avec toi. Vous essayez déjà les femmes blogueuses que vous êtes tellement égoïste. Si tu étais comme ma faute, vous êtes tellement égoïste. Tu n'as même pas de carnet d'adresse. Pipi, montre-moi un carnet d'adresse, tu vois. Bah. Maintenant où tu es là, tu comptes sur le couple Yakuba. Comme tu vas aller au Cameroun par rapport à Clarisse Yenga. Tu pour au Cameroun, tu rentres en France. On va dénoncer ça. Tu vas remettre l'argent de Clarisse Yenga. Tu es une escroc femme. L'escroquerie avec toi, c'est grave. C'est grave. Tu ne peux pas faire ça à cette femme. Tu as détruit la carrière de marchand. Il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai pas parlé pour parler. Tu as détruit sa carrière. Tu as détruit la carrière de Machin. Quand tu as collé ton image avec son image. Regarde le morceau de l'unité. Regarde Mafo. Hein. Mafo a fait la vidéo de Blanche Bailly. C'est Dieu qui m'a donné. Tu as vu le nombre de vues que ça a donné à Blanche Bailly. Mafo est déjà à plus de 200 000 vues sur la vidéo que c'est Dieu qui m'a donné. Regarde le nom, les gens qui ont écouté la vidéo de Mafo, qui sont allés regarder à YouTube. Quand Mafo a fait le morceau, elle a fait le morceau qu'elle tape aux États-Unis avec sa robe d'Ina. Blanche Bailly a posté ça sur sa page.
Mais ça fait le nombre de vues. Elle est à plus de 200 000 vues. Dans les 200 000 vues là, les gens vont aller, grâce à Mafo, les gens vont aller écouter ça sur YouTube. Et YouTube, les gens vont s'abonner. Les gens qui sont quittés derrière Mafo, on dit que le morceau, c'est de bouche à oreille. Ce n'est pas trop de publicité. C'est moi les 200 000 vues de Mafo là. Tu connais le nombre de personnes qui sont abonnées à la page là. Ça fait 1 million de vues. Mais toi, que tu t'es collé à Marchand, tu t'avais Marchand collé chewing gum avec Marchand pour le morceau de l'unité, une soi-disant blogueuse, tu étais incapable de donner à Marchand 500 000 vues sur le morceau de l'unité. Tu vois un peu comment tu es. Ça veut dire que tout ce que tu touches, tout ce que ta main touche, pipi, c'est la poisse totale. C'est la poisse. Et depuis, tu n'as jamais chanté le morceau de l'unité de marche sur ta page. Et toi, tu dis que tu vas aider les artistes. Quand je vois les artistes qui partent dans ta page, moi je ris, dans ta télé là. Parce que tu ne soutiens personne. Ce qui t'intéresse, pipi, c'est ta maudite télévision que tu as là. C'est ça que tu veux rehausser. Mais tu profites de l'image des gens, des innocents, pour faire valoir tes conneries. Parce que ce que Marchand a fait pour toi, c'est beaucoup. Si tu parviens à causer avec un colonel au Cameroun, c'est... Parce que toi, tu es qui? Si tu parviens à causer avec... jusqu'à Nias avec un colonel au Cameroun, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais où est sa récompense? Qu'est-ce que Marchand a profité derrière toi? Qu'est-ce qu'elle a profité derrière toi, Pipi? Dis-moi. Pipi, qu'est-ce qu'elle a profité de... Viens nous dire ce que Marchand a profité derrière toi. Rien. Elle a profité que le clash. Tu n'as apporté que le clash dans sa vie. Donne-nous les vérités. Hein? Mais par contre, ce que tu as profité derrière Marchand, c'est beaucoup. Tu as détruit sa carrière, Pipi. Je me demande si tu as fait un examen de conscience dans ta vie. As-tu déjà fait un examen de conscience, Pipi? Non. Parce que toi, tu joues les victimes, mais tu n'as jamais fait le mal à quelqu'un. Mais les gens, ce sont les gens qui te font le mal. Mais toi, tu n'as jamais fait le mal. Tu as entendu que wow, tu n'as jamais. Mais toi, c'est toi qui fais le mal aux gens. Hein? Mais tu dis tout que non, on me fait le mal. L'année, si c'est mon année, ce n'est pas ton année. L'année, si c'est l'année que tu vas entrer de payer ce que tu as récolté. Et ça va continuer jusqu'à l'infini. Avec moi, je ne perds pas mes guerres. Je suis avec toi, la balata. Le pire, c'est qu'elle t'insulte, père Pipi. Moi, elle ne t'insulte pas. Hein? Mais tu es venu sur Facebook avec les clashers, Pipi. Tu as insulté les mamans des gens. Tu veux qu'on sorte les vidéos, Pipi? Pipi, tu as insulté les entrailles des femmes. Tu as insulté les enfants sur les réseaux sociaux. Tu as détruit les gens. Tu sais comment tu es venu sur Facebook? Tu ne te rappelles pas? Je vais te rappeler ça. Moi, je ne t'insulte pas, hein, Pipi. Je viens te dénoncer ce que tu as fait à l'autre artiste. Parce que grâce à toi, on ne l'invite plus dans les soirées. Tu vas inviter une clasheuse ou comment? Dans les soirées. Tu vas inviter une artiste qui répond à tout le monde? Non. Parce qu'elle est avec toi. Elle te voit répondre à tout le monde. Tu lui disais que non, machin. Si on t'attaque, il faut l'attaquer. Si on t'attaque, c'est là que tu réponds. C'est ça qui a fait que... Hein? Hein? Quand tu as dit que machin, si on te répond ici, viens au propos ici là. C'est ça qui a fait qu'elle répondait à tout le monde. Mais quand elle était avec Mafo, elle fermait sa bouche. Elle ne connaissait même pas comment répondre à une personne. Parce que Mafo dit que non, ne réponds pas, laisse-moi aller par le devant. C'est pour ça qu'on dit que d'où vous voyez qu'on vous donne les conseils, vous ne voyez pas. Vous partez toujours d'où il y a. Parce que vous croyez que non. Vous croyez que comme elle aboie, elle peut tuer. Pipi aboie. Elle ne peut pas tuer une mouche. C'est moi qui vous dis. Elle aboie, mais elle ne peut pas tuer une mouche. Parce qu'elle, c'est qui? Elle est petite, cette femme. Continue.
vous pensez, je m'en contrebalance et je m'en foutais dans la fouterie. Fichez-moi le camp. Comme ma miss, j'ai récupéré dans ma ici, ma personne. Je l'ai récupéré, les plats d'un bolet de ça. J'ai récupéré. Regarde ma fille, madame Aïssi. J'ai récupéré madame Aïssi au complet. Elle m'a dit que, ah, ma fille, tu vois, tu ne m'as jamais fait ça. Mais tu ne m'as jamais fait ça. J'ai dit que je ne peux jamais même te faire ça. Tu comprends, non? Ma chambre dit à Valérie Amougo que tu ne m'as jamais fait ça. Tu ne m'as jamais trahi. Par contre, l'autre m'a trahi. Vous voyez, vous voulez pas, donc vous ne voulez pas que non. Moi, je suis là pour dénoncer. Car tous les soirs, je suis sur toi. Tous les Camerounais seront qui tu es. Il va m'assurer que ma guerre avec toi sans défense. Donc, je commence maintenant là. Je commence. Le grand feu commence maintenant. On continue. Vous savez, moi, j'ai mon éducation. Hein? Mm-hmm. Derrière, je respecte les gens, moi. Voilà. Je ne trahis pas les gens. Écoutez. Je peux causer 100 ans avec toi. En privé, il n'y aura pas de fuite. D'accord. Mais c'est vrai, il y avait les fuites. Il y avait les fuites. Parce que la reine et les pipimania, il va sortir le duo là demain. Le duo que la reine et les pipimania avaient parlé mal de machin. On se dit en privé avec une seule personne ne sorte jamais dehors. Mm-hmm. Parce que je respecte toute personne avec qui je cause. Voilà. Je ne répète pas non plus les conseils que je cause avec une seule personne. Une autre personne, parce que les conseillers sont privés et personnels. Mmh. Je suis une grande dame. Mmh. Je suis comme ça. Ce que je cause avec Chantal Aïssi, reste avec Chantal Aïssi. Ce que je cause avec Coco Agenté, reste avec Coco Agenté et moi. Ce que je cause avec Catino, ça reste encore Catino et moi. C'est ça qui fait moi. Et c'est ça qui fait que cette dame-là me respecte. Vous aviez entendu quoi? Mais vous êtes là ici dehors, vous dites que vous êtes des grandes femmes. Il n'y a rien là. Tout se pose ici. Et vous croyez que partout où vous passez, vous devez mettre vos atouts. Bien compris. Et c'est ça qui fait que vous devenez. Bien compris. La rusée. Partout où elle passe, elle écarte. Partout où elle passe, elle écarte. Elle se dit que non, ça est écartant qu'elle peut garder l'homme. D'où elle écarte là? Les gens entrent et fuient pas d'eux. Le mépris des hommes camerounais. Mm-hmm. Et c'est pour cela que tous ces hommes-là nous confondent dans le confondement. Mm-hmm. Parce qu'ils se disent, ça y est, les filles de l'Europe ou les influenceuses camerounaises, écoutez, elles sont toutes pareilles. Voilà. Tu vois, quelqu'un arrive, elle est en Europe, elle arrive en Afrique, elle est cartée pour 30 000, pour 30 000, elle est cartée pour 30 000. 1, 2, 30 000, elle est cartée pour 30 000. On n'est pas tous pareils. Apprenez à fermer vos jambes. Mm-hmm. Conseil d'amis. Apprenez à fermer vos jambes. Mm-hmm. Même si on te dit que c'est un colonel. Ferme d'abord. Tu as vu, même si on te dit que c'est un colonel, ferme d'abord tes jambes. Mais comme Pipi comprend, elle a compris le mot colonel. Elle est partie écarter le tchou. Le colonel a mis dedans, piouf, go et go go. Et toi bien, fais courir le colonel. Voilà. Je vous ai dit ça. Fais courir le colonel. Mais elle ne fait pas courir le colonel. Le même jour, elle est partie écarter. Parce que le colonel avait les gros nichons, les gros nibards, les gros nichons. Dès que Bonda m'a enlevé la perruque comme ça, pop. C'est ça qui fait fuir les hommes. Parce que tu es une vieille femme. Dès qu'elle a enlevé la perruque comme ça, pop. Dès qu'elle a enlevé les gros nichons, pouf, il a vu que ça arrive aussi au ventre. Il a dit que non, mieux il goûte d'abord, il part. Dès qu'il est entré dedans, piouf, le tarot, le colonel a fui. Même 5 francs, même 10 francs, il n'a pas donné. Maman, on peut avoir la poisse comme ça, maman. La poisse du siècle. Elle a venu que papa Fodia m'a trompé. On continue. Je vais mettre l'autre. On peut avoir le tarot aux fesses comme ça, maman. On écoute. Voir les colonaux et les généraux, vous voyez, elle a rencontré qui derrière machin. Bureau de mon oncle, ma
Elle est même partie au bureau de matin. Vous comprenez? Puisque monsieur Raymond Tchenka était décidé avec le loi en prison. Qui ignore ça? Il proposait même des fortes sommes que la personne qui le manque lui a le loi. Il donne cette somme-là. C'est grâce aux relations au c'est grâce aux relations de marchand. Mais Pipi est arrivée ici en Europe. Elle a dit que ce n'est pas les relations de marchand, que ce sont les relations de quelqu'un. Tellement qu'elle est ingrate. L'ingratitude t'a donné quoi, Pipi? L'ingratitude. Dis que je suis sur toi. Je suis sur toi, Bango Bango. On continue. Écoutez. Donc ça ne termine pas comme ça. Elle continue. Elle nous dit comment qui a fait pour rencontrer l'animateur du Cameroun et comment ça s'est passé. Écoutez. Chantal ici récupère Lolo. Et Chantal ici présente Paul Désir à Lolo. Voilà. Et c'est comme ça que Lolo fait beaucoup de rencontres. Je veux dire que c'est grâce à Chantal ici, à Machan, que Machan présente. Le journaliste à Pipi. Maintenant, le journaliste maintenant prend Pipi. Il présente à beaucoup de personnes qui sont les relations de marchand. Mais Pipi arrive là-bas, elle chie sur elle. Elle est écarte partout. Rencontre derrière Chantal ici. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Écoutez. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Jusqu'à chaque fois qu'il y a des rencontres, il y a, les gens sont écartés. Tout le monde se plaint. Voilà. Et du coup, moi, ça m'intéresse pas. Vous avez compris? Dès qu'il y a les rencontres, beaucoup de gens sont écartés parce que Pipi a écarté Macha. Elle a écarté tout le monde. Maintenant, là, maintenant, à présent, maintenant, ça s'est déjà gâté entre eux. Je dis, ah, c'est leur système, leur game là-bas. Voilà. Donc, hier, quand j'arrive, je t'appelle Lolo. Et moi, je parle, comme j'aime toujours parler, je fais toujours mon cours. Ça, je dis que il y a même une. Oh, Seigneur! Donc ce sont des choses comme ça qui se sont passées. Qui est parti quelque part, elle a mis ça avec un ou cinq personnes et les personnes là sont déjà. Vous avez vu, non, elle part quelque part, elle niasse avec plus de cinq personnes et les personnes là sont déjà gâtées. Vous voulez pas qu'on dérange? Pam, automatiquement, je. Vous comprenez, vous voyez un peu le phénomène des personnes. Vous voyez un peu comment quelqu'un est. Vous voyez comment une personne peut être méchante? Vous voulez qu'on ne dénonce pas? Vous voulez que Nico Kéchia ne va pas dénoncer? Ne dénonce pas parce que pour ses beaux yeux, elle est qui? Je n'ai pas venu m'asseoir pour dénoncer cette femme. Vous savez le nombre de personnes, le nombre de personnes que cette femme est en train de vouloir détruire, est en train de bloquer sur Facebook. Qu'on est blogueur. Apprenez à garder les relations. Apprenez à garder quand quelqu'un, quand une personne. Quand tu as un problème au Cameroun, quand quelqu'un te donne sa relation, un numéro, ne pars pas écarter. Parce que tu es en train de bloquer la route à plusieurs blogueurs sur la toile. Parce que vous, dans le bloc camerounais, vous êtes égoïste. À part ma foi, maman Pépé, qui ne sont pas égoïstes. Mais le reste, il y a l'égoïste dans le bloc camerounais. En commençant par Pipi. Pipi, voilà ça aujourd'hui. Pourquoi tu clashes? Pourquoi tu maintenant tu viens insulter Valérie Amogo? Est-ce que tu l'avais été? Donc tu ne voulais pas qu'elle dénonce. Elle a dénoncé bien. Et c'est ça qu'il s'agit. Elle a dénoncé. Bonsoir Waris. Elle a dénoncé. Elle a dénoncé ta fausseté. Tu as fait que Machan s'est séparé avec ses relations. On a dit que mais Machan, comment tu nous donnes une personne que tu dis que cette personne est bien? Mais elle n'est pas écartée avec tout le monde. Elle ouvre ses jambes. Les cuisses légères. On va confondre. On nous confond avec tous les blogueurs. On va penser que comme tu es cela, peut-être nous les blogueurs de la diaspora, on est pareil. C'est pour ça que la CAN, on n'a pas pris les blogueurs. Va la CAN au Cameroun, va la CAN à Côte d'Ivoire. Au moment, on devait prendre quelques blogueurs de la diaspora pour les représenter la CAN en Côte d'Ivoire. Mais ils vont prendre les blogueuses du Cameroun. Parce que ces blogueuses-là sont distraites. Ils ont les bons managers qui leur disent comment ils vont se comporter.
Mais Pipi ton jasse là, qui part, qui ouvre avec tout le monde. Tu salis le bloc camerounais. Tu n'as jamais rien apporté dans. Tu n'as jamais rien apporté dans le bloc camerounais. Tu n'as jamais rien apporté. Parce que je suis sûr de moi que tous ces mamans qui nous suivent là, il y a même une, deux, trois qui peuvent sortir pour dire qu'ils vont aussi faire le blogging comme nous. Mais tu ne peux pas venir gâter leur route, jamais de la vie. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de blogueuses ivoiriennes, beaucoup de jeunes blogueurs qui viennent pour être dans le blogging. Mais en, dans le blog camerounais, on est peu. Parce que ces gens ont peur de sortir, mettre leur image, que vous allez les caricaturer, vous allez les insulter, les faire. Parce que tu es comme ça, Pipi. Et tu crois que je vais te laisser salir le bloc camerounais, tu mens. Je suis que sur toi, na balata. Je suis sur toi, bango. Jusqu'à l'ascaras. Je vais chercher le fond quand on me dit le problème, si demain je suis avec toi. Je vais te dénoncer. Au plus tard demain. J'ai dit à mon ami avec Nicolas, je suis dans le travail. Donc, je suis seulement venu montrer, seulement mettre la vidéo de Valérie pour que les Camerounais écoutent que tu as les problèmes avec ta soi-disant maman. Ta soi-disant mère machin. Tu as les problèmes avec elle. Parce que depuis que machin ne s'entendait pas avec ma Lady Ponce, tu es parti au conseil de Lady Ponce. Quand tu dis que c'est moi. Ma personne, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, l'ami de ton... Si ta personne a les problèmes avec une personne, tu ne pars pas. Tu protèges ta personne. Mais tu as pris ma chance, tu as jeté. Tu es parti au meeting de Lady Ponce. Tu es la première personne dans l'Olympia pour narguer ma chance. Mais quand les gens t'ont reproché, tu m'as dit que non, ma mère approuve, machin, tout et tout. Ta mère approuve. Parce que tu avais déjà collé ton image avec elle. Jusqu'à la plupart des écrans. C'est ce que tu cherchais. C'est ce que tu cherchais, Pipi. Ce que toi tu cherchais. Tu n'as même pas honte. Et on m'a dit que non, Nicole, ne dénonce pas. Moi, je sais que c'est toi, tu te dénonces. Moi, je te dénonce. Je ne blague pas avec toi. Moi, je te dénonce sans rancune, mais je te dénonce. Pour dire que tu es fausse. Fausse de fausse. Je n'ai pas te laissé, il m'a bloqué. Il dit que je te dénonce. Je suis que sur toi, bango. Maman, je ne peux pas te laisser dans le taf, Pipi. Je ne peux pas te laisser dans le taf. Les gens ont dit que, oh, elle fait son blogging avec le blogging de Pipi. Quand Pipi est venu ici, Pipi a pris ma faux. Fait son blogging avec. Salit ma faux, détruit ma faux. Si ma faux n'était pas forte, si elle n'était pas captivante jusqu'à maintenant, jusqu'elle est tout dans le. Elle est tout sur la chaise du 9 de Facebook. C'est que. Disco, tu es où? Tu es où, Pipi? N'importe quoi. Qui a sorti derrière toi réussi? Personne. Qui a sorti derrière toi dans le blogging qui a réussi derrière toi? Il n'y a personne qui a réussi. Personne. Même ma pépé, on t'a connu dans le blogging de ma pépé. Ça va qu'on t'a connu. Tu as appelé dans le direct de ma pépé. Tu te fais connaître là-bas dans son direct. Oh, tu es incapable de lui dire merci. Tu appelles le nom de Simon de Londres. Simon Delon était là quand tu appelais. Quand tu appelais dans le dilemma, on connaissait Simon Delon. Simon Delon était encore dans la team PDG. Il n'était pas encore seul. Il n'était pas encore quitté dans la team. Il était encore dans la team PDG. Tu veux qu'on sorte la vidéo? Tu parles de quoi? Tu es incapable de valoriser. Pour dire que merci, maman Pépé. Merci, maman Pépé. Au moins, même si je m'insulte avec toi, c'est grâce à toi que j'ai un peu eu de lumière. Parce que c'est là-bas qu'on a vu ton aboiement. Quand tu es venu sur la toile, on a vu ton aboiement. Quand tu es venu sur la toile. C'est là qu'on a vu ton aboiement. Maintenant, tu viens ouvrir ta bouche, ta large bouche, pour parler aux gens. Tu n'as même pas honte. Hein? Pour dire que ma pépé ne t'a pas fabriqué. Ma pépé. C'est pour ça que tu es natiti. Tu es zéro tout rond. Tu ne vas jamais arriver quelque part parce que tu n'acceptes pas. Regarde par exemple, elle dit par exemple, regarde par exemple la reine galloise. Vous savez pourquoi la reine galloise a réussi? Parce qu'elle est humble. Elle reconnaît que c'est Mafou qui l'a fabriqué. Elle n'a jamais manqué le respect à Mafou. Elle n'est jamais partie d'où on insulte Mafou. Jamais. C'est pour ça que
son truc a réussi à 100%. Est-ce qu'il n'y a même pas photo? Parce que c'est Mafou qui l'a ouvert la lumière. C'est grâce à Mafou que la reine galloise a la lumière. Jusqu'à maintenant, la reine galloise est de son côté. Elle n'a jamais comporté d'un insulte de Mafou. Le jour que Mafou avait manqué le respect à la reine galloise est venue pleurer, dit que Mafou l'a bloqué. Elle peut venir clasher Mafou. Les gens disent, oh la reine, pourquoi tu es genoux? Non. Après Mafou a arrangé avec la reine galloise. Elle m'a fallu compris que non, c'est parce qu'elle a compris la reine galloise aujourd'hui a deux trucs. Parce qu'elle a compris, l'humilité. Si la reine galloise faisait comme les autres, les Borosangui, c'est qu'elle est zéro aujourd'hui. Zéro. Regardez par exemple Mme Missunga, que ma foi a fabriqué. Elle design. Elle est comme ça. Dernièrement, elle est vue dans le direct de Malo Fombo. En train d'aller commenter dans le direct de Malo Fombo. Envoyer les cœurs. Quand Malo Fombo insulte ma pépé, elle était dans le direct là. Vous voyez, pourquoi ces gens ne réussissent pas? Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'humanité. Ils ne sont pas. Donc, tu vois un peu, c'est qu'aujourd'hui, ma monsieur va devoir avoir son restaurant. Si la reine galloise qui a été fabriquée, ma maman Mafou, a deux associations de l'autisme, pourquoi pas ma maison là? Pourquoi elle n'a pas un restaurant? Parce que elle n'est pas bien. Je te dis la vérité. Parce qu'elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Dans la vie, reconnaissez qu'on vous a fabriqué. Reconnaissez la valeur de quelqu'un qui vous a tendu la main. Tu vas aller loin. Reconnaître, c'est pas que tu sais pas, c'est pas que parce que tu que la personne te dépasse. Reconnais au moins que Seigneur, je reconnais. Parce que la personne est comme ton Dieu. Parce que Dieu a perdu. Ma faut un peu comme Marie. C'est grâce à quand Marie a conçu Jésus. Jésus est venu sur terre. Il a lavé nos péchés. C'est grâce à Jésus que Jésus a balayé nos péchés. Maintenant, si Dieu a choisi ma faute d'avoir la lumière, l'aura suffit, parce qu'il a vu son cœur. Il a dit que non, s'il donne à cette femme, grâce à elle, elle va aussi permettre à donner la visibilité à beaucoup de personnes parce qu'elle n'a pas été chiche. Maintenant, tu entres dans la team PDG de ma faute. Tu as ta lumière. Tu sais préparer la nourriture. Tu sors de là avec quelque chose. Tu sors de là avec une petite visibilité. Tu sors, tu pars maintenant. Crée ma part de team et créer mon contenu et commencer à préparer ma nourriture. Maintenant, si tu ne reconnais pas que c'est une personne qui t'a donné cette lumière, tu ne peux aller nulle part. C'est moi qui vous dis. Tu ne vas aller nulle part. Tu vas tourner en rond. Tu vas te caler sur place. Regardez l'exemple de la reine galloise. Prenez l'exemple de la reine galloise. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont voulu que la reine galloise clash ma faux. Même Pipi a voulu que la reine galloise clash ma faux. La reine galloise était sage. Elle a dit que non. Je ne peux jamais chier d'eau. Je peux jamais chier d'eau ma fabriquée. Je peux jamais chier où j'ai mangé. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à la team. C'est grâce où je suis d'où je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle évolue dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Et on voit comment elle émerge. Parce qu'elle n'est pas dans les barbares. Parce qu'elle n'est pas dans les coups foirés. Non. Elle est dans son coin. Voilà ce qu'on appelle reconnaître quand quelqu'un t'a tendu la main. Faites ça. Vous allez réussir. Quand ma faute, elle sortit à plusieurs reprises pour me parler. Les gens voulaient que Nico sorte. Ou mon maman pépé, qui m'ont parlé, j'aimerais dire que Nico sort. Je sais ce que je suis venu faire sur la toile. Dans la vie, il faut reconnaître tes erreurs, reconnaître tes aînés. Facebook est un peu comme le commerce. Facebook est un peu comme le commerce. Facebook est un peu comme ton travail. Ton travail comment? Ma foule, maman pépé sont tes patrons. C'est grâce à eux que tu as un peu de lumière. Quand tu viens mettre ta caméra, le follower vient te regarder, eux partagent tes directs. Ça fait que tu es un peu tes petits
des petits contrats. Tu gagnes, tu manges, tu es sur ta bouche. Si demain, tu te fâches contre tes patrons, c'est comme ça que les followers aussi vont partir et tu vas tomber à terre. Parce que tu n'as pas encore... Parce que tu n'as pas encore grandi. Tu es encore petite. Il te faut encore faire même 1 an, 2 ans, 3 ans pour te construire une vie. C'est pour ça que moi, j'ai mis ça. C'est pour ça que moi, je me suis dit que non. Facebook, c'est mon travail. Je dois pas manquer le respect à mes patrons. Parce que ce sont eux qui me donnent la lumière. Qui me fait avant que je brille. Là, par exemple, m'a donné 50 étoiles. Les 50 étoiles, avant, je sortais mon argent pour payer la connexion. Maintenant, à la fin du mois, je prends l'argent des étoiles, je mets moi-même ma propre connexion pour faire les directs. C'est y a un plus. Tu vas encore demander encore quoi à Dieu. C'est y a un plus parce que tu ne prends plus l'argent que ton gars te donne dans la maison pour venir mettre la connexion. C'est l'argent que les internautes te donnent, les 50 étoiles. Donc, quand on te donne 50 étoiles, tu dis merci. Tu vas maintenant payer ta connexion demain. 30-50 euros, tu fais tes directs, c'est comme ça, tu ne payes pas. Après, demain, tu vas peut-être pucer. C'est un peu ça, mes chers frères et sœurs. Apprenez à reconnaître ce qu'on vous fait. On va prendre, regarde par exemple, Borosangi, elle est comme un mauvais esprit. Parce qu'elle n'a pas pu reconnaître que c'est Mafou qui l'a tendu la main. Que c'est grâce à Mafou qu'elle s'est fait connaître au Canada. Mafou a rempli les salles du Canada, mais elle insulte ma Anna tous les jours que Dieu a créé. La poisse, elle est à pas. On est à inviter où? Où? De bon. Elle raconte les soirées. Elle est ici à Paris. Qui l'a reçu? Personne. Elle est comme un mauvais esprit. On va parler de qui? De son qui? De ce qui? Ce que Mafou a fabriqué. Hein? On va parler de ce qui? C'est juste un conseil. C'est ça que je veux dire à Pipi. C'est pour ça que Pipi, tu es comme un mauvais esprit. Parce que tu ne reconnais pas que c'est maman Pépé qui t'a tendu la main. Regardez par exemple Simon Delon. Simon Delon de Mafou l'a tendu la main. Il est venu clasher Mafou. Aujourd'hui, il est effacé de la nature. Il y avait aussi un autre gars là-bas aussi. J'ai oublié son nom. Là-bas en Espagne. Hein? Il est venu clasher Mafou. Il est effacé comme la nature. Hein? Il y avait aussi qui n'a pas prononcé le nom Niva. Qui m'excuse si j'ai prononcé son nom. Hein? Il est où? Aujourd'hui, il est où? Il est effacé de la nature. Parce qu'il a manqué le respect à son mentor. Voilà Mini Minon. Regardez comment Mini Minon est joyeux. Il est heureux. Maintenant, Mini Minon est maintenant sur TikTok. Est-ce que tu as vu Mini Minon à taper le Dika? Oh, je suis avec Mafou. Oh, non, avec toi, machin. Non! Il est maintenant parti. Il a compris que non, sur Facebook, ce n'est plus son rangé là-bas. Il a dit que non, la reine mère, Flo Chupinette est là pour la soutenir. Les chevaliers sont là pour la soutenir. Il y a les filles sur Facebook qui sont là pour soutenir Mafou. Si Mafou, de temps en temps, maintenant, il est sur TikTok, il est bien, quand tu le vois, il n'a pas de problème. Il a gardé sa relation avec ses mamans abeilles. Quand Mini Minon a ses problèmes, il met sa cagnotte, on cotise, parce qu'il était loyal avec Mafou. Regardez par exemple la reine galloise. Quand elle met sa cagnotte, il y a certaines abeilles qui partent cotiser parce qu'elle était loyale avec son mentor. Voilà ce qu'on appelle que réussite de Facebook. Reçu, c'est pas que tu as venu prendre quoi. Reçu, que tu reconnais la personne qui t'a tendu la main. Elle est comme ton Dieu. Parce que si elle voulait, elle ne te donnait pas. Parce que si elle voulait ça, elle ne te donnait pas cette visibilité. Elle n'était pas obligée. Parce qu'elle t'a donné. Et qu'elle t'a donné, tu as su prendre. Maintenant, tu dois lui dire merci. On n'a pas dit que dire merci, c'est que tu vas ramper dès que non. Dis mais c'est que tu n'as pas allé dans l'insulte. Tu n'as pas la minimiser. Non. C'est ça. Et ça qu'il y a beaucoup de blogueurs sur la toile que tu les vois, ils ondent, ils tournent en rond, ils ne réussissent pas. Et ils ne réussissent pas.
Parce que le cœur est noir. Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas la sagesse. Il faut les voir. Oh, j'ai fréquenté. Là, aucune sagesse n'est là. Rien. Prenez l'exemple de Lady Ponce. Lady Ponce a une sagesse qui n'a pas de nom. Vous croyez parce qu'elle chante un peu que tout le monde? Non. Regardez, par exemple, regarde. Lady Ponce a partagé le truc de Mafou. Vous croyez qu'elle est bête? Vous croyez qu'elle est bête? Elle n'est pas bête. Mais quand aura son concert, les abeilles vont partager partout. Parce qu'ils vont se rappeler que non. Elle a soutenu Mafou. Comment ça, Mafou et son événement? Vous avez dit que non, cela, ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'esprit de partage. On appelle ça que la sagesse. Mais vous ne connaissez pas Facebook. Vous dites du coup, telle personne est mauvaise. Telle personne est là. Ce n'est pas la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est jouer avec la tête. Et jouer avec le cœur. Et savoir s'humilier. Savoir être petit. Ce n'est pas qu'on dit que tu es petit, qu'on ne marche pas sur toi. Non. C'est un peu ça. Mais Pipi, elle tourne comme ça, là, Aaron. Elle tourne, elle ne réussit pas. Pipi, tu vois que tu vas mettre la cagnotte jusqu'à quand? Regardez une femme à son âge, elle dit que un riche arabe l'a invité au cours du mensonge. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas eu même un client. Elle veut seulement faire plaisir à ses followers. Elle veut prouver aux gens que donc elle a eu un riche arabe. Pipi, tu as eu un... Donc c'est quand tu pars, quand tu quittes le Dubaï, au lieu que avant que l'arabe t'appelle, quand tu étais à Dubaï, il était où? Pourquoi il t'a pas invité à manger? Il y a les gens, il y a ceux que tu peux mentir, mais nous comme ça, tu peux pas me mentir. Parce que c'est qu'elle n'a même pas eu, même un numéro à Dubaï, elle n'a même pas eu. Parce que Pipi n'a pas de carnet d'entrée, elle n'a rien. De cas, elle n'a pas un carnet d'adresse, elle n'a pas. On l'invite pas. On l'invite petit où? Rien, on n'a pas encore invité, on l'invite où? Donc, c'est un peu ça, mes chers frères et sœurs. Donc, vous là que vous plaignez, non, sachez reconnaître les qui vous ont tendu la main. C'est ça que, on m'a cité, on m'a dit qui? Ouais, vous avez vu, non? Hein? Regardez par exemple là-bas ça. Les gens qui aiment comme les mauvais esprits sont dans les directs, ils font les coups barriens, sont là, ils ne peuvent pas encore. Est-ce que Mamusunga là, elle devait être encore au niveau des papas là, dans sa maison pour vendre? Non. Parce qu'elle est dangereuse. J'ai vu dans le direct de Malou Fombo, entre les mains et les cœurs. Je vais faire la capture des cœurs, vous pouvez mettre ça sur Facebook. Et tu es tombé des nues. Tu suis tombé des nues. On ne fait pas ça. Apprenez à rester vos places. Et même les faux profils. Ce n'est pas bien. Franchement. Ok. Non, c'est ça. Je ne demande pas de vous dire la vérité. C'est important. Prenez Facebook comme votre travail. Vous allez réussir à 100%. Ce n'est pas la blague. C'est dit. Comme moi, il faut vous dire que je veux me marier avec mes abeilles. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Parce que c'est grâce à ses abeilles qu'elle mange. Regardez par exemple son événement. Ils ont déjà partagé dans tous les inbox, partout ils ont partagé. Ils ont déjà partagé partout. Eux, ils partagent. Maintenant, Pipi, elle a imité Mafou. Maintenant, elle dit aussi que c'est Pipi Mania, ce sont ses maris. Maman Facebook, c'est quelque chose, maman. Ouais, ok. Elle dit que, maman, laissez-moi. Non, pardonnez-moi, je vous laisse. Non, Facebook, il y a quelque chose. Ils sont là, ils s'embrouillent sur mes temps. Embrouillez-vous. Elle en direct, oh. Valérie Amougou en direct. Tu ne vois pas que je fais la promotion de la gamme Métis Express. Hey. Flo, tu viens de où? Flo, tu viens de qui a enregistré, maman? Les numéros de téléphone sont... Non, attends, après. J'espère que Flo, tu viens de qui a enregistré. Parce que demain, on va continuer le décryptage, hein, ma mère.
Flo Genève, pardon, Anaïs a bien, pardon, Anaïs est parti essentiellement, mais je coupe ici là. Maman. Mais j'ai fait des essais, maman, je coupe ici. Maman, Anaïs est parti là, maman. Flo Chupinette, elle est là. Tu as enregistré, maman, enregistré bien, parce que maman aussi, parce que demain on va continuer le décryptage. On va prendre que chez toi, on va venir mettre, on décrypte nous le live. C'est de ce qu'il s'agit. Maman, elle m'a coupé, et pas coupé, non. J'ai enregistré aussi ma petite partie là. Tu vois un peu, non. Je vous. Non, Flo, je peux dire, non, va seulement mettre le téléphone à côté, non. Mets le téléphone à côté, tu prends les parties essentielles. Quand tu mets sur ta part, maman vient prendre aussi, et moi aussi, si les gens écoutent. Donc, maman n'est pas aussi là-bas comme ça. J'espère que maman, elle, apparemment, elle a 40 minutes. Maman, attendez, écoute, moi aussi, enregistré là-bas.